Hello, nous sommes le podcast en Saber le casque, meilleur podcast au Québec après Radio X. Wow, avec Marco Lalonde, puis son frère, un invité, un humoriste en gaz en France et la gaz de son. Meilleur podcast du Québec, wow! Salut tout le monde, bienvenue au Saber le casque. J'ai pas checké le numéro d'épisode. 136, 137. 136, 137! Ouais, dans ce coin-là! Yeah! Youpi, les yes, amis! Sir. On va tomber en restructuration un peu. Le monde a commencé à tanner de faire des chroniques. Je vais mettre tes intros. Mais j'arrêterai pas de faire mes chroniques, cela dit. Moi, j'aime beaucoup faire mes chroniques, mais je vais trouver une autre formule. Une alternative. Oui, je vais essayer une des affaires. Une alternative? C'est ça. C'est positif, on va essayer des affaires. On va voir. Des fois, c'est de la calisse de marde, puis des fois, le monde rit pas. Fait qu'on sait pas lequel des deux ça va aller. Comme je te disais tout à l'heure, j'aimais beaucoup ton personnage de dude tout le temps offensé. Chris Morgan. Ah, c'était drôle. Mais ça, ouais, mais je voulais le continuer. Mais une manière, c'est parce que ça faisait comme 12 épisodes, je pense que je le faisais. Ah, c'est non, tu vas farmer ta gueule, puis tu vas. Il continue à le boulier. Il reste tout le temps comme genre, hey, ça va marcher, OK? Jerry a comme un boulier intérieur qui est laissé extérioriser. Oh, ouais, un petit tapette. Le pire, ce soir-là, on est resté dans ce mode-là. Je me rappelle, une manière, il y a GF qui a fait un dégât, il a renversé son verre, et on a dit, Des pichinots sur le chat, asti. Rien qui se passait pas. Ouais, c'est drôle. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que grosse restructuration. Ouais, exact. C'est ça, le monde commence à être tanné de faire des chroniques, puis tout. Puis on va le monde. Ben, je parle. Non, mais on a parlé avec Matt aussi. Matt aussi commence à être. Il est encore là? Ouais, il est encore là. Okay. Ben, il vient quand. C'est parce qu'une manière, quand on fait tout le temps. En fait, c'est juste que quand on fait tout le temps la même affaire, pareil, une manière, ça devient. Tu sais, comme faire de la saucisse un peu, là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça nous tentait de reshaker ça. Fait que là, c'est pour ça qu'on est assis dans le divan, ben tabarnak. Hey, fuck la table. Hey, nous autres, on restructure en tabarnak. On a sauvé 5 minutes à bouger à la table. Oh, man. 5 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? De la poutre. Mais merde, on a pas de table! Ah, mais on a des miroirs! Oh! Ouais, mais toi avec, je pense que tu avais pensé à arrêter ton podcast, je pense. Ouais. Mais une chance, j'ai pris une pause. Fait que ça, c'est ça qui a aidé. C'est parce que l'affaire, c'est, tu sais, des fois, tu fais le podcast, puis je suis sûr que vous allez comprendre. Tu fais le podcast plus parce que t'aimes ça, puis esti, t'es dedans. Puis là, des fois, t'as des petits succès qui embarquent sur d'autres succès, puis là, esti, ça monte tes affaires, puis je fais comme tabarnak, c'est nice. Puis là, tu le fais plus vraiment juste pour le plaisir, mais tu le fais parce que t'es un peu embarqué là-dedans, tu sais. Fait que là, moi, c'était rendu, je me comparais beaucoup aux autres, puis là, j'étais comme, esti, je voulais avoir des invités que personne n'a eu, ou sinon, tu sais, je voulais leur parler des affaires que moi. Puis là, d'un fois, à la dernière minute, je me rendais compte qu'un tel invité avait été à une place. Je faisais, tabarnak, est-ce que je ne pourrais pas poser ces questions? Ça faisait chier, mettons, si tu avais déjà enregistré de quoi, puis genre, qu'il y a un autre qui le recevait, puis genre, tu allais le sortir après. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, c'était un peu un tout de tout ça, là, tu sais. Puis finalement, j'avais juste vraiment besoin d'une pause parce que aussi, l'affaire, c'est comme un peu un mix de tout ça avec. Puis, tu sais, plein d'autres affaires. Mes chiffres qui descendent, qui avaient beaucoup descendu, là, ça a comme un peu remonté. Mais, tu sais, ça fluctue, tu sais, ça change. Ouais, ouais. Ça passe beaucoup, tu sais, de différents moments, périodes, là. Puis, il y avait beaucoup aussi de tabarnak, j'étais tanné, gros, d'être toute seule à faire ça. Là, gros. Je faisais le montage, le booking, l'animation, la recherche, la production, la promotion. Ouais. C'était tout. Puis là, j'étais en train de virer. C'est pour ça que j'étais en train de le faire vraiment à contre-cœur. Ouais, je comprends. Puis, mais là, j'ai trouvé, ça fait un bout que j'ai Laurence qui s'occupe du booking, qui est super bonne, je l'adore. Puis là, il y a un nouveau qui est Frank Harrison qui s'occupe de faire le montage. Ah ouais, fait que c'est plus puis la diffusion aussi, tu sais, fait que c'est plus moi qui s'occupe de ça. Fait que là, je suis content de le faire. J'ai juste à faire le podcast, la recherche,
Puis c'est ça. Ouais. Genre, ah, Jason cool, ça. S'occupe, tu sais, c'est le même que tu écoutes. Ouais, mais ça, ouais. Ça t'a aidé, je pense, pour le Patreon, parce que, genre, ouais. honnêtement, genre, tu sais, toi, puis sous-écoute, ouais. Vous avez quand même fucking beaucoup de monde sur votre Patreon. Ben, tu sais, sous-écoute, il y en a 8000, moi, j'en ai 500, là. Mais 500 au Québec, c'est fucking bon, là, pour un podcast. Pour vanter, on a 14. Ah, 14, facile. Ben, les boys, j'aimerais ça vous rester un peu humble, OK? Arrêtez, c'est pas bon, 14. Ben, tu sais, vous êtes tout le temps en train de vous vanter. De vos 14 Patreons. Là. Hey, ouais. Comment vous pensez que je me sens, moi, en ce moment? C'est écœurant. On parle même pas de notre podcast, on parle juste de nos Patreons. C'est quoi un podcast? Ouais, non, mais je comprends, ouais. Je comprends que une année tu viens tanner, surtout si tu avais tout à faire. Mais là, c'est cool, par exemple. Tu as toute une équipe qui t'entoure, c'est le fun. C'est... Moi, j'ai un writer, c'est mon père. Fait que ça risque d'être bizarre en Christ les prochains épisodes. Ouais, ça risque d'être des vieilles blagues. Ouais. Ça va être. Il va y avoir le mot négresse souvent. Ouais. Il va y avoir des autochtones et des homosexuels au pied carré. Ah, ouais. Ça va être le fun. Mais comment t'es. C'est quoi, c'est ceux qui t'ont approché ou. Oh, Christ, c'est ça. Non, c'est eux autres, tu sais, parce qu'il y en a bien qui m'avaient écrit pour faire comme. Hey, moi, je peux faire le montage. Hey, moi, tu sais, du monde super généreux de leur temps puis de. C'est ça, puis il voulait le faire, mais tu sais, souvent, c'est parce que man, j'avais essayé avec deux personnes, puis ça avait été, ça venait compliqué. Puis quand ça vient compliqué, moi, c'est là que je décroche rapidement, puis j'ai de la misère à déléguer, tu sais. Ouais. Mais lui, il est super professionnel, il est arrivé au bon timing, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire, de l'infographie sur une de mes affiches. Puis il m'avait fait de quoi, puis il m'avait rien chargé, tu sais. Puis j'avais dit, d'où je vais te payer. Il dit, non, je viens te montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis je suis comme, OK. Puis il avait tellement fait de façon professionnelle. Puis là, il disait, hey, je fais aussi du montage. J'ai fait, hey, toi, il y aurait des bonnes chances que ça fonctionne. Fait que là, j'ai envoyé un épisode, il l'a bien monté. Puis là, en détail, d'où des fois, il m'écrit un esti de longue bible pour me dire toutes les améliorations qu'il a faites ou qu'il pourrait faire si ça m'intéresse. Wow. Fait que là, je fais... Tabarnak. Puis j'y donne genre comme le strict minimum qu'est-ce que je suis capable de payer parce que Chris, 500 Patreon, c'est pas grand-chose. Ben t'sais. Quand même, non, c'est bon. Fait que... T'es capable de le payer plus. Je suis d'accord avec Marco. Non, je suis con, j'avais même pas compris. C'était dans ce... Non. Excuse-moi. T'es sous-payé, ce con-là. Non, ça n'a pas de bon sens. C'est juste pour donner une petite tape dans le dos puis j'ai compris que ça n'avait pas... Fait que il est très, très cool, puis je suis content que là, il soit là, puis je pense tant qu'à moi, il va rester parce qu'on s'entend super bien. Puis là, depuis que je suis revenu des fêtes, on n'en a pas enregistré pendant un mois de temps, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, ça a fait du bien en tabarnak. Ah, c'est clair. J'ai eu mon break, là, puis je suis content encore. T'es-tu encore nerveux puis stressé quand tu reçois le monde ou avec le temps? Non. Moi, il y a une fois que j'étais bien nerveux, puis c'était quand j'ai reçu Mike pour la première fois. Maintenant, je suis plus stressé. Je pourrais avoir Yvon Deschamps. Que ça me stresserait pas. Non, parce que... On s'en colle, c'est super. Ben ouais. Parce que dans ma tête, le... T'es pas si bon, là. Le plus big, pour moi, c'est Mike. Ouais. Puis je l'ai eu. Fait que... Puis j'ai été capable de bien faire. Fait que, tu sais, je suis comme... Je pourrais pas le chier. Là, même la deuxième fois que tu l'as eu, je t'avais écrit pour te le dire, mais honnêtement, c'était genre clairement la version la plus vraie de Mike, je pense, qu'on a pu voir à quelque part. Ben, t'es fin, C'est vrai, parce que souvent, il va dire de quoi dans un podcast que j'ai vu. Ben, écoute, souvent, il passe pas souvent dans des podcasts, mais genre, c'était comme les mêmes affaires qui revenaient. Puis c'est normal aussi en même temps, tu jases pendant une heure et demie de m'amener, tu tombes dans les affaires que t'as dit, puis tout ça. Mais réussi à tout le temps être ultra punché pareil. Ouais, mais c'était super bon. Dans ton mais tu sais, moi, là, je fais ces premières parties là, une couple de fois, puis c'est cool en maudit. Il y a des questions que... Parce que moi, je veux qu'ils reviennent une troisième fois, mais lui, il a pas le temps, ou je sais pas ça, il tombe. Mais il veut plus faire le podcast. Ouais, c'est ça. Dude, il y en a cinq. Il y a cinq podcasts à lui-même, là, tu sais, fait qu'il n'y a pas vraiment le temps où... Il a sûrement déjà répondu à ma question. Mais là, il y a des affaires, c'est que j'y pose des questions, mais dans l'âge, tu sais. Ben, je suis trop saoul, puis je fais « Hey, ton affaire! De... » mais ça donne des hosties de belles conversations, tu sais. Tu devrais le filmer à son insu avec ton seul. Ouais. Puis... tu fais tout ça bout à bout. Puis quand je pose la question, je fais ou il entre même dans le coude. Oh, wow. Tu parlais dans plante. Peut-être qu'il soit sourire. Ah. Ça serait drôle. Non, ça filme pas.
C'est super proche de sa face. Filme-les quand il chie. Mets ça sur Internet, voir si votre relation va tenir longtemps. Ah, mais je pense que t'étais là au podcast dimanche, dans le fond, tu écoutes. Là, genre, ouais. Le doute qui a demandé comme 8 fois, genre, hey, viens dans mon podcast. Puis t'es comme, non. Ah, c'est qui a dit ça? Sébastien Bourgault. Ah, oh, OK, non. Moi, j'ai parti genre... au un tiers du deuxième? Spot. Ouais. Okay, okay. Parce que je faisais des brûlements d'estomac. Ah ouais, pour vrai? J'étais tanné de comme crime aller chez nous. Là, ouais, ça, c'est le vin rouge, ça. Mais moi, ça me faisait avec le vin rouge, pour vrai. Pas vrai? Je suis plus capable d'en boire. Ouais. Moi, c'est surtout parce que la veille, j'avais mangé 10 pizzas pochettes. Holy shit! Ben, ils font des végétariens? Ben, il y avait juste pas de pepperoni dedans. OK, mais bon, chez McCain, il appelle ça un grand chelem. 10 pizzas pochettes, là, commence à être de la pizza en esti. Un tour du chapeau. Ça commence à être des baluchons de pizza en tabac. Ah ouais. D'où j'étais fucking hangover. Je suis comme, ah, OK, je pogne une boîte de 6, je bouffe les 6. Puis après ça, j'ai encore faim, je vais m'acheter d'autres pizzas pochettes, j'en ai mangé carton. Ah ouais, faut que l'alcool éponge. Ah ouais. C'est normal. Ouais. Avec ça et avec un sac de chips. Ben ouais. Ben ça prend des chips avec ça. C'est fait. Ça va me prendre un accompagnement. Moi, ça va au dent. Il y a des fritos. C'est parfait. Pizza pochette fritos. On y va. Let's go. Ah ouais. Tabarnak, je suis pas focus aujourd'hui. Non, pas de stress là. C'est pas... non. C'est Jarrestie. Ah ouais, c'est le bon vieux chum. Ben ouais. Hey. Ben ouais. C'est fun. C'est bien. Ben sinon, j'avais un sujet d'intro. Une nouvelle qui s'est passée en octobre 2017, dans le fond, c'est juste que là, c'est en procès en ce moment, fait qu'il s'est sorti là. Ah, fait qu'on peut pas en parler. Non, on n'a pas le droit. Okay. Ça serait malade, gars. Il n'y a pas d'informations, sont encore en procès. Ah, prochain article. Non, mais c'est en 2017, en fait, une femme de 35 ans qui avait loué son appartement à Paris via la plateforme Airbnb. Puis, dans le fond, l'appartement est au 7e étage d'un immeuble situé dans le 16e arrondissement de la capitale. Il avait été loué pendant 5 jours par une jeune femme. Dans le fond, ce que la madame ne savait pas, c'est que la femme qui l'avait loué, c'était une actrice porno. Puis ils ont loué le Airbnb pour enregistrer, pour taper un porn. Wow. Puis, le film dure genre 50 minutes. Puis, en plus, il fourrait comme dans le salon. Puis, une manée, ils sont allés fourrer sur le balcon dehors. Ah, il était filmé. Chris, ils se sont donnés quand même. Tabarnak! Hey, tu t'en calais, ça me dit. C'est clair que c'est pas sa première fois. Par non, exemple. Elle faisait souvent ça, puis là, tu sais, elle voulait que le challenge monte. Ouais. Fait qu'elle fait OK, où qu'on le fait, OK, on va sortir de la chambre, puis là, on le fait sous son sofa. Ah ouais. Hey, viens sous le sofa. Ça serait écœurant. À la fin de la vidéo, il vient sous le sofa, puis il a juste une copie de la vidéo. Moi, maman, comment que la personne s'en est rendue compte? Là, c'est comme genre, elle écoutait de la peur, puis elle fait. Chris, mon divin, ça, Carlis! Mais c'est ça, c'est ce que ça dit dans le fond. Carlis, il y a une trace de cul, là, drette là. C'est pas de bon sens. La fille s'en est rendue compte à cause des plaintes des voisins, puis aussi parce qu'elle a reconnu son salon puis sa terrasse, dans le fond, d'un scène. Elle était comme, Chris, c'est mon divan. Ouais, mais faut qu'elle ait vu la vidéo. Faut que quelqu'un y ait montré où elle cherchait du porn. Mais je pense qu'il y avait des voisins qui avaient fait des plaintes, par exemple, à cause du bruit, parce que c'est. Ah, fait que là, peut-être qu'elle cherchait. Ouais. Son vidéo. Non? Mais là, par exemple, cette femme-là, là, tout le monde sait qu'elle écoute de la porn. C'est une femme. C'est pas normal. C'est weird. Ben, déjà qu'une femme a un appétit sexuel, c'est bizarre. C'est là. Bizarre. Hey. La femme reçoit le pénis. Hey. Ben ouais. C'est clair, ça, Chris? Vous aussi niaiserie de clitoris, le colissimo. Est-ce que ça me faisait penser, comment qu'il parlait? Ça me faisait penser à Jean Tremblay qui parle de la pénétration. Hein? Laisser le Christ pénétrer en soi, c'est vraiment bon. Oh, wow, c'est vrai, ça existait, ça? Ben oui. Ah, oh, t'as jamais entendu ça? Non, j'ai jamais entendu ça. C'est Jean-Lola Tremblay qui parle de la pénétration. Tabarnak, c'est drôle. Non, c'est un moment sacré. On est tous issus d'un acte de reproduction du pénis dans le vagin. Puis il parle de ça à genre de Levesque. Oh, wow, c'est malade. Le Christ, il y a des gens qui pénètrent entre vous. Mais sinon, tu nous parlais de quoi avant de commencer? Est-ce en Inde, là, du rape? Ah ouais, du correcting rape. On dirait une catégorie un peu olé-olé de porn-up, genre. Ils font correcting ça... rape. Ouais. Ils font souvent ça. C'est triste, mais c'est tellement triste que ça en est. Ben oui, c'est absurde. Mais ça n'a juste pas de mais bon sens. Mais d'où, genre, mettons, si une femme est lesbienne,
ben ils vont la violer en faisant. Oh my God. Elle va finir par aimer ça. Ben oui. Ah, ce sera pas plus dégoûté des hommes, toi. Non, ouais. Tabarnak. C'est ça, un pénis! T'sais. C'est comme si ça fait pas une graine, ma tabarnak. Ouais. Oh man, c'est comme si genre j'aimais pas les champignons, puis quelqu'un faisait comme ouais, tu vas manger 4 kilos de champignons. Ouais, oh, mais par ton trou de cul. Genre. Par ton trou de cul. Ah, ouais. On va te rentrer 4 kilos de champignons dans ton trou de cul jusqu'à temps que tu veux la manger. Oh, ils vont y blender. Ils vont passer ça avec un entonnoir. J'aime ça. Ouais. J'aime ça, les champignons, finalement. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'absurde puis d'effrayant? C'est la pensée derrière ça, ouais, là. Ouais. Ben, ouais, ouais. Lesbienne, on va la fourrer. Elle veut pas? On va la forcer. Non, non, c'est parce elle va comprendre. Elle a jamais fourré ça, un vrai homme. Ouais, c'est ça. Oh, tabarnak. C'est assez wrong. C'est comme genre... Ils ont vu des films de cul, puis ils ont fait comme... Ouais, mais tu sais, la lesbienne qui est là puis qu'une manée, elle... Les deux lesbiennes qui se mangent, là, puis il y a le beau stud qui arrive. Il le faut. Fait que les lesbiennes, dans le fond, ça l'aime ça, les graines. Lui, parce qu'il faut tourner autour de ta graine en tabarnak pour faire comme... Ouais, non, les lesbiennes sont à une graine de laisser faire leur projet. Ouais. En tout cas. Mais en Inde, man, il y a plein d'histoires de rape et de viol. Tu sais, ils sont tellement pleins là, que tant qu'à moi, la police... Puis en plus, tu vois, c'est un peu, en tout cas, je sais pas, là, il y a mon beau-frère qui est le frère de Jasmine, dans le fond, qui est allé en. C'est un violeur. Ouais, c'est ça. Il est allé là pour ça, genre, tu fais pas de prison si tu violes. Ouais, lui était d'accord, mais on en connaît d'autres gens qui. C'est comme un no man's land. Ouais. Il y a aussi le genre de viol collectif, là, c'est qu'ils se mettent genre 5 sur la même fille. Man, juste même des vidéos de porn où est-ce que je vois genre qu'il y a plusieurs gosses, je veux pas questionner les goûts de chacun, genre. Mais genre ouais, j'ai de la misère avec ça personnellement, juste ça, je suis comme ouais. Oh, allez, ça me semble ça a pas l'air le fun, c'est-tu crosser deux guns, d'avoir une dans le cul dans la plot. Ah non, c'est clair. Moi je juge ça, sauf si c'est une blanche avec 5 noirs. Là, tu m'as, là. Payback time. We're going downtown. Je sais pas, moi, ça me fait... Genre, honnêtement, j'aime vraiment pas ces vidéos de gangbang. Il y a toutes les fois, mettons que genre, j'arrive sur une fenêtre, genre, là, t'arrives, puis là, tu check, oh, Chris, ça a des belles boules. Oh, t'as il y a 6 gars après. C'est comme décevant un peu. Oh, man. Moi, j'en ai déjà écouté. Puis qu'est-ce que j'aime le moins de ça, c'est que... C'est comme tourné, c'est fait comme agressivement. Ouais. Ouais. Oh yeah, oh yeah, put it in my ass. Oh yeah, my little vagina. Ouais, surtout quand il s'est. C'est comme des filles qui se font acculer. T'enlèves le fun, là. Ouais. C'est pas cool. C'est comme les filles qui se font acculer puis qui sont là. Oh yes, yes. Mais tu vois qu'elle a le fucking mal. Ouais. Écoute, depuis que Marco m'a fait remarquer ça, je regarde plus la porn anal pareil. Je continue de regarder. Yes. Ben, c'est pas dans mes recherches en particulier, tu comprends? Mais ben, quand il y a une fille qui se fait enculer, je regarde tout le temps sa face. Comme, ok, elle va-tu être capable de me vendre le fait que ça y fait pas mal, ce si gros pénis-là. Ouais. Il y a une vidéo que je check souvent parce que la fille est fucking hot, mais genre, la fille, elle va se faire mettre dans le cul. C'est le seul style vidéo d'Anal qu'elle a fait, mais au début, il fallait qu'il mette un doigt dans le cul, puis tu vois que ça y fait déjà mal. C'est comme, tabarnak. Pauvre fille, il s'appelle. Pauvre fille, honestie. Mais le pire, je me crosse là-dessus pareil parce que la fille est fucking hot, mais genre, elle filme avec un gars qui s'appelle Lampard. Il est une merde, il fait. Oh, pauvre fille! Mais il continue à se creuser! Oh, ça a vraiment l'air d'y faire mal! Je mets un post-it sur sa face. Hey, il met un post-it, puis il dessine un bonhomme sourire. Oh, il est content! Ça lui fait pas mal! Eh bien! J'ai vu dernièrement... je sais pas pourquoi, on est rendu ça à porn. C'est là qu'on est rendu. J'ai vu dernièrement, tu sais, les vidéos de tentacules, là, hentai, ouais? C'est ça? Non, mais j'ai vu passer la version... Après, ça juge les gangbangs. La version, genre, avec des vraies personnes, genre. Oh, OK. De ce film. Quoi? C'est encore plus weird. Mais Chris, comment tu peux, genre, entraîner une... Non, mais c'était genre... Une pieuvre à rentrer des... Écoute, c'était une marionnette, câlisse. C'était genre tellement bizarre. Ça avait l'air de passe-partout, mais mixé avec genre la Colombie. Ah, c'est passe-partout qui s'était dans le cul. Ouais, c'était vraiment weird. Tabarnak. Ouais, c'était... Je pensais qu'il y avait... Plus weird que les tentacules, c'est les tentacules, mais en real action time. Mais tu sais, il y a la loi de...
si tu y penses, c'est que ça a sûrement déjà été fait. Ça a été fait en porn. Là, j'ai déjà vu une fille se faire courir après dans un film de cul. Puis, ben oui, ces affaires-là que je parle, je me suis pas crossé par-dessus, OK? Je serais assez humble pour le dire, mais c'est pas le cas, OK? Genre, il y en avait un, c'était une fille qui se faisait poursuivre par deux Oompa Loompa, là, tu sais, dans Charlie et la chocolaterie, les petits bonhommes, oh, là. Ouais. C'est des nains. Elle se fait courir après par deux Oompa Loompa en skate. Puis là, il y a pourchasse sur leur petit skate. Puis à la fin, finalement, il y a four à deux, là. Ben, elle aime tout ça ou elle aime ouais, pas ça? Ouais, mais je pense pas que... Elle aime ça. Genre, avant, elle épeurée, mais tu sais, rendue dans la scène... Genre, c'est une mauvaise actrice. OK. Fait que, on a l'impression mais genre, correct. La fille dans l'histoire, elle aime ça. Là. Genre, ouais. Okay. Mais c'était pas genre, il courait après, moi, puis Marie-Claude, c'est pareil. Elle était rendue chez eux, puis elle apparaissait, ou de coup de même, genre. Ah, ça se peut. Mais ça, tu m'avais montré. C'est le pire cauchemar, sérieux. Ben, je dois toi, là. Toi, là, un gars, toi, là. Ça, je me fais threesome par deux mains. Tu te fais courir après par genre. Tu te fais threesome par deux Oompa Loompa. Ah ouais. Amen. Tu te fais threesome par deux Oompa Loompa, là. Ah, barnac. Ça va te prendre un esti bon psychologue. Leur pénis, était-tu rouge? Non, ils n'avaient pas maquillé leur pénis parce que ça aurait brûlé en tabarnak dans plot, là. Ils ont brisé le rêve de bord. Une brise de pantalon. Ouais. Moi, je me suis crossé récemment, là, ben pas récemment, là, peut-être genre comme 4 mois. Là, fait c'est... 4 mois, tu t'es crossé sacrément. Non, mais sur cette vidéo-là, en partie. T'es bandé non-stop. Ah ouais, vous arrêtez pas d'en parler. Moi, là, quand j'ai parlé de tentacules, je pense que j'ai un peu venu sur ma cuisse. Mais non, c'est qu'est-ce que j'avais écouté? C'est une version de Silent Hill. Oui, oui. Tu sais, les genres de. Les infirmières bébites, qu'aussitôt qu'ils entendent un bruit, là, ils bougent, puis ouais. Dans la main. Ça crée vraiment des pustules dans Halo, là. Ouais. Genre, puis. puis là, t'as le dude, genre, qui fourre ces genres d'infirmières. Amen! Et moi, j'étais comme. Ah, ouais, j'ai vu ça! Ouais. J'ai... Oh là, t'as marre, ouais, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ça, et c'était comme une espèce de c'était des vidéos comme horreur. Ouais. Mais porn, genre. Mm-hmm. Puis une année, c'était comme il était dans un espèce d'hôpital, mettons, qui est fermé, abandonné, whatever. Ouais. Puis là, t'as des espèces de ghosts, de zombies infirmières qui arrivent, puis qui le sucent à trois. Puis t'es comme, tabarnak, c'est une belle hôpital. C'est pas mal mieux que ce qu'on a ici. Fuck le chum. Ah, mais t'avais sorti une année un top 10 des parodies de porn, puis il y avait sorti, genre, il y avait une parodie de Massacre à tronçonneuse. Puis après avoir une chaîne ça, il y avait un genre de dildo. C'était un affaire qui... Genre un marteau-piqueur de graines. Ouais, exact. Un marteau-piqueur pénis. Puis il courait après le monde de même dans le bois. avec sa face de cuir. Puis genre... Mais c'est de voir genre les acteurs... Parce qu'il y a une histoire là, puis tout. Là, fait que les acteurs sont comme genre pognés dans le bois. Ils sont comme genre... Ah, oh, ça va être une belle fin de semaine au chalet. Blablabla. Bla, 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 bla. Là, finalement, tu sais, la première victime... tout le temps elle qui va chercher le bois style pour faire un feu ou whatever. Elle se fait attaquer à coup de main. Oui. Elle se fait courir après qu'un dildo. Hey, elle se fait pogner genre il y a Chris à terre puis il pogne son affaire puis il y a fond dans le vagin de main puis à la fin il y a dessus mais je me rappelle plus si on le voit comment elle meurt mais je pense pas que c'est le tu dildo qui a dessus. Tu disais qu'il venait jusqu'à en mourir genre dans la description du OK. Bon ben voilà, il venait tellement les gens ah oui c'est ça, il jouit tellement. Ouais, puis ils meurent. Ouais, ils meurent de leur propre orgasme. C'est ça, un marteau piqueur. Honnêtement, moi, ça me le prend. C'est la plus belle mort au monde. Ben oui, t'sais. Ben oui. Hey, tabarnak, tu meurs tellement que tu. Tu viens tellement que tu meurs. Si, moi, ça me prend le marteau piqueur pénis. Faut que j'essaye ça. Ah ouais. Dans son bras de cul. Essaye de faire ça discret. Si, ta blonde est dans l'autre pièce. Ouais, oh, salut, je m'en vais écouter de quoi sur. Peut-être c'est ça qu'ils ont fait dans l'Airbnb. C'est pour ça que les voisins ils se plaignaient. Vraiment fatigué. C'est marteau piqueur, pénis. Mais c'était tellement niaiseux. Je m'en rappelle pas des autres porn, par exemple, qu'il y avait dans ce top 10-là. Mais. T'avais Edward Penis Hands. Oui! Edward Penis Hands. Tu sais, c'est énorme l'argent. Puis, ben non, ouais, il y avait des pénis. Ouais. Puis genre, ouais, c'est ça. Puis là, tout le monde était comme.
Parce qu'il y a des pénis dans les mains, là. Tout le monde est exclu de la ville parce qu'il y a beaucoup de pénis dans ses mains. Imaginez juste manger, Asti, il va se licher les battes, là. Oui. Imaginez-les manger de la soupe avec ses mains. Ou sinon des crottes de fromage. Il y a les pénis orange, Asti. Il se vient dans la gueule. Il veut me scier toutes les battes jaunes. Wow, hey, c'est drôle en tabarnak, ça. Man. Oh, man. Edouard Pénissens, forêt. On sait qu'est-ce qu'on écoute après l'UFC. Ben ouais. Moi, j'en ai une couple d'idées. Ça va être nice. On va se coller de la ND, on se crosse en regardant ça. Ouais. On se fait toutes des... comment qu'on appelle ça? Des gouvernails. Oui. Genre, personne touche au pénis de personne. Tu crosses son bras pour qu'il se crosse. Ah, c'est drôle, justement, c'est Jason Mewes qui fait ça. Là, dans... On va voir en plus. Ils font un genre de projection du nouveau J-Bob au Metropolis. Puis après, il y a un Q&A. Puis, tabarnak. Sorry. Ben non, pas de pas avec ça, c'est pas grave. Moi, je l'éteindrai. Ouais, non, c'est pas grave. C'est fait, Asti. Excusez, man. Moi, je pars. Truc de cul. Ouais, je pense que c'est vrai. L'UFC, finalement, c'est plus une bonne dent. On l'écoute plus, finalement. On l'écoute plus, Asti. Il y en a plus d'UFC. On va tous se coucher, finalement. Ouais, on va voir J-Bob. C'est mon cadeau de Noël, en fait, que Marco m'a fait. Puis à la base, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, ouais, J-Bob. Oui, c'est J-Bob. Jane Silent Bomb. Ouais, puis il se promène avec le film, là, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, il y a une projection du film. Puis après ça, genre, ça doit être un Q&A, j'imagine, de parler un peu, parce que le monde peut poser des questions. Ouais, parce que quand ils l'ont sorti, en fait, le film, ils l'avaient à une place à Montréal. That's it. Il n'y en avait pas ailleurs, là. Fait que moi, je voulais y aller, mais c'est compliqué d'avoir des billets. Puis là, Marco, il me donne le billet, tu sais. Fait que je suis comme, all right, je suis content, tu sais, on va aller voir le film. Moi, je pensais que c'était juste ça. Il était full content, il y a que ça. J'étais comme, non. Puis finalement, genre, les acteurs vont être là. Fait que je suis comme, genre, tabarnak, je vais y rencontrer. Tu sais, moi, j'écoute ça depuis que j'ai 7 ans, là. J-Bob contre-attaque. J'ai acheté le film, je l'ai écouté 10 fois. Genre, j'avais comme 7-8 ans, puis j'avais appris le rap de J sur le bord du Depp au début. Merde, foutu-foutu, merde. Joint. 1, 2, 3, 4, joint. La première fois que tu écoutes en arrière, t'es comme... Ça le fait moins, on dirait. Oh, wow. Clairement, avec mes yeux d'adulte, je l'écouterais pour la première fois, je trouverais que ça serait cheap en français, puis en anglais, ça serait mieux. Est-ce que tu te casse-couille de calice? Moi, je l'aime, ce film-là. Moi aussi, je l'aime, ce film-là. Surtout qu'en plus, tu sais quoi l'histoire du film? Ouais, ben oui. OK. Non, je parle le 2, là. Non. C'est parce que dans le fond, c'est Jane Silent Bob reboot. Fait qu'il y a du monde qui font un reboot du premier, qui font un reboot de Jane Silent Bob. Puis t'as Jane Silent Bob qui vont à Hollywood pour arrêter le film. Fait que c'est la même call. Ouais, c'est comme s'il faisait. Tu sais, dans le 1, dans le fond, le film qu'il faisait, c'est comme s'il faisait un 2 de ce film-là. Fait qu'il repart pour. C'est ça. C'est la même chose de film. Ça a l'air que le film est pas bon, par exemple. C'est ce que j'entends. Ah, sérieux? Je suis rendu là, l'expérience va tellement être cool. Pas grave, les jujubes au bout. Moi, je me demande, c'est qui a dit que c'était pas bon, là. Tu sais, parce que je pense que peut-être un film pour les fans, là, aussi. Peut-être, là. Ouais. Je pense que c'est un box office, puis j'ai entendu ça. Ouais, fait que, tu sais, peut-être un... celui à Julien. Bernatio, là, ouais. OK. Ouais. Tu sais, parce que... Tu sais, dans le fond, le film, tant qu'à moi, il est fait pour les fans. Tu sais, critique de cinéma qui fait le film, il est vraiment pas bon. C'est sûr. Anyway, en général, les comédies, ça score jamais ben gros d'un critique, là, je veux dire. Je sais pas. Si c'est même Clerks 2... qui était probablement pas le meilleur film du monde, sérieux. Clerks 2, moi, j'ai adoré voir ce film-là. Là, c'était écœurant. C'est quoi? Clerks 2, ben, dans le fond, c'est parce que le J-Bob, leur personnage, part du film Clerks, le premier des films de Kevin Smith. OK, c'est-tu l'affaire avec les anges, là? Non, ça, c'est non. Dogma. Dogma, ouais. J'avais aimé ce film-là. Ouais. Je l'ai... Ben, il est bon, ce film-là. Je l'ai vu, mais je pense que j'ai juste vu une fois. Je me rappelle pas, j'étais jeune. Okay. Ouais, c'est ça, moi, tout. C'est quand j'étais jeune. Avec Ben Affleck. Pis, ouais. Je me rappelle juste au début, Matt genre... Damon. Je me rappelle juste au début de... Mon pote, le Christ! C'est juste Jésus. C'est quoi? C'est genre... Ils ont fait une statue de Jésus, mais il est juste là, puis il fait des genres de finger gun. Oui. Et maintenant, il y a comme un drop par-dessus. Ouais. C'est la cérémonie de la ville au début, genre. C'est ça, ouais. Mon pote, le Christ! Mais tous les films de Jay Silent Bob, il y en a plusieurs, Kevin Smith, puis Jay Bob sont tout le temps dedans. Ouais. Là, tu sais, Chasing Amy, Mallrats, en tout cas, il y en a plein. Puis en tout cas, Clerks, c'est genre la suite du premier, puis Clerks 2, qui est sorti comme en 2007, mettons, quelque chose de même. Puis ça, il est bon en tabarnak. Ouais, c'est drôle. C'est genre, une année...
En tout cas, le premier, ça se passe dans un... Tu sais, le dépanneur qui sont au début, en avant, dans le film, le Quick Stop, je pense. Ouais, le Quick Stop. C'est dans le fond, le film Clerks, c'est en noir et blanc. Je sais pas si t'avais déjà vu de quoi passer, en tout cas, peu importe. Mais c'est ça, dans le fond, il se passe là-dedans, c'est comme les comédies de Depp. Puis eux autres, dans le fond, c'est comme des personnages secondaires, dans le fond, dans le film. Puis là, okay. C'est pour ça que Jane Silent Bob, là, c'était comme le film juste sur... Ah, oh, OK. Ouais. OK. Ah, fait que c'est de là, c'est né, genre? Ben ouais, c'est personnages. C'est parce que dans tous ces films, il incluait, dans le fond, c'était tout le temps des personnages différents dans n'importe quel film. Souvent des acteurs qui revenaient, mais les personnages de J. Bob étaient tout le temps des personnages secondaires, genre que tu voyais un peu. Ouais. C'était comme des comic relief un peu. Mm. Puis là, dans le fond, il a fait un film juste sur eux. OK. Ouais. Non, sérieux, il y a comme une lignée de. Ben moi, j'ai commencé avec Jay and Silent Bob, ouais, aussi. Strikes Back. C'est avec ça que j'ai commencé à l'écouter. Puis une année, tu te rends compte comme OK, Jay et Bob, les personnages que tu viens d'adorer, Asti, sont dans comme plein de films. Fait que je me suis mis à tous les écouter. Là. Ouais. Mais ouais, ils sont cool. Fait que j'ai bien hâte, en tout cas, pour ça, le 5 ouais. février, d'aller voir ça. Ouais, ça va être nice. NTLUS, ça va être nice. Tu aimais ça faire box office? Ouais, ben ouais, ben man. Moi, hey, à chaque vrai, fois Steve. Que j'étais avec Julien ou Dom Massy ou ouais. Maxime Gervais, d'où je capote. Là, ouais. C'est tellement nice, là, ouais, ces gars-là. Là, c'est des bons vivants. Ils sont drôles, sont épais, ouais, ils sont épais. Ouais, dans le bon ouais. sens. Là, ouais, fait ouais. que, d'où, moi, à chaque fois, je me considère très chanceux. À chaque fois, je peux faire quoi que ce soit de création avec eux autres. Là, ah, ils sont ouais. cool en maudit. Je vais aller les refaire. Là, en plus, je pense qu'il t'a invité pour Fast and Furious. Genre. Ouais. T'es-tu fan de Fast and Furious? Ou ben, c'est juste j'ai présumé que t'allais être fan. J'ai... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme ce que ça, je disais dans le podcast. J'étais super content. Pour ça, j'ai fait... Chris, on est en train de dire que... Il pense que. Il sous-entend que j'aime ce film-là. Ouais. En même temps, tu racontes tes anecdotes à tes écoutes de Point Américain et de Gatineau. Ouais. Clairement, il doit être fan de Fast and Furious. Ouais. Est-ce que tu filmes de douchebag? Es-tu fan de Fast and Furious? Ben, une fois pour toutes. Moi, j'ai aimé le 1, j'ai capoté sur le film, il était super bon. Puis le 2. Ben, c'était juste... ça allait de plus en plus pire, là, ouais. tu sais. C'était juste satisfaisant, peut-être, le 2. Moi, personnellement, le 2, ouais. c'était comme... Ah, ben, j'ai bien aimé le 1, je suis content qu'il y ait un 2, tu sais. Ouais. Ouais. Puis ensuite, puis, Tokyo après Drift, ça... qui file un peu comme le cousin de Stifler. Hey, Tokyo Drift, ouais. film, j'étais en tabarnak, man. Ben, toi, tu as aimé le 3? Tokyo Drift, tu parles, là, ouais. quand ils sont dans Tokyo? Moi, j'ai fucking aimé ça, j'ai, tout le monde l'a haï. J'ai quand même aimé en ça... Fait... Mais ça me gossait, on dirait que genre c'était comme ça avait pas vraiment rapport. On dirait qu'ils ont pris le nom du film. Ouais. Pour mais avoir... Non, mais j'ai trouvé ça nice, mais après l'avoir écouté une fois. Tu sais, la première fois que je l'ai écouté, il y avait pas les autres personnages, puis honnêtement, je m'étais attaché pas mal aux autres personnages, fait que c'était ça qui m'intéressait le plus dans le film. Puis en le réécoutant, ben juste le gars de char en dedans de moi était content de voir, tu sais, des affaires comme tu sais des drifts ou ben, t'sais, quand c'est comme genre... un univers de ouais ouais, de ouais, ouais ben de ouais, la race ce type. Ouais. là c'est le drift puis ouais là... puis je trouvais ça je trouve, moi je trouvais ça bon ce côté là DK drift king drift ouais décollé ouais. ouais. tu sais ouais. ça j'aimais ça cet univers là de char. Mais là, sacrament, quand c'est rendu qu'ils sortent des chars, astis, qu'ils sortent d'un avion qui fait du parachute, c'est comme tout, ouais. ça n'a pas rapport. Ouais, là, ouais, ça, ouais. Pour moi, ils ont trop sorti de l'univers. De, ouais. J'aurais aimé ça qu'ils aillent peut-être plus loin dans le... J'ai lâché, moi, je pense. Dans le underground de la course de voiture puis des ouais. réunions de ouais. voitures. Puis de... Ça devenait quasiment comme, mettons, un film de Marvel de chars, astis. Ben, c'est ça. Ouais. Je voyais dans une ouais. pub, il était dans un building... Puis, genre, tu sais, on s'entend, là, t'es dans un building, là, t'as de l'espace, pas tant de pogner de l'accélération avec un char. Ah, oh, puis il volait de building en building. Ouais. Mais le fanbase du film, dans le fond, c'est juste que ce film-là, quand il est sorti le premier, comme des années. Début 2000, c'était 2000, je pense. Ouais, que c'était. Ouais 2000. Puis, genre, il y a des. Tu sais, les fans de chars japonais n'avaient pas vraiment de films qui mettaient ces chars-là en valeur. C'était tout le temps des chars américains. Tu sais, des vieux muscle cars partis en 60 secondes, mettons, mm-hmm. des affaires de c'était même. C'était bon, ça. C'était super bon. Nicolas Cage. Ouais, c'était sacoche ah ouais. aussi. Mais c'était le premier char, c'était le premier film Fast and Furious que tu avais des chars japonais d'importation. Puis, il y a une grosse scène, là, underground de ça à ce moment-là. Puis, il y avait juste personne qui les présentait, tu sais, fait que genre ça a fait exploser ça, tu sais, dans mm-hmm. le monde de l'automobile. Ouais, ils se sont tous reconnus, tous ceux qui avaient ces ouais, voitures. Ben exact. Ouais. Fait que ça, mais ça a vraiment parti un trend dans le monde de l'automobile. Ouais. C'est le public cible en plus, fait que ça a super bien marché. Mais après ça, c'est genre The Rock, hélicoptère. J'entends ça un dude, je me rappelle pas c'est qui, c'est sur un podcast j'ai entendu ça. Le dude disait que genre lui allait voir mettons la première de Fast and Furious à Laval, genre. Ça a l'air que l'ambiance dans le cinéma est malade, genre. Oh, le, wow! monde, le monde capote, là, genre. Oh!
Ça fait colissement du sens. Comme Star Wars, dans le fond. Okay, le monde se déguise. Je pense pas qu'ils se déguisent. Ils se déguisent pas parce qu'ils sont de même dans la vie. Non, c'est ça. Ils arrivent déjà avec leur... Ils mettent le plus beau chandail à Darby. C'est ça. C'est une bonne idée pour eux. Avec leur tribal. Le chaîne de croix. C'est drôle. Oui. Mais moi, tu vois, c'est le genre de truc que j'irais dans un cinéma voir ça, puis je voudrais tout le temps faire des commentaires sur les chars que je vois. Mais le problème, c'est que je connais pas vraiment grand monde qui aime ça, les chars. Je me tiens beaucoup, je sais pas. T'es-tu un gars de char, toi? Ah, j'adore ça. Ouais. Mais pis... c'était crissement pas de l'air de je ça. Je le sais. Puis ouais. Ça pis, mais la chemise pastel. Puis... ouais, je le sais. Mais non, mais j'adore ça depuis que je suis tout petit. Ouais, ta chemise pastel, elle nous a induit en erreur. Mais non, non. Je l'aime, ma chemise, oui, Chris. Je l'ai dit, mais je la trouve belle. Non, non, c'est pas vrai. OK, lui, faut qu'il... il revient là. Hey, bro, la chemise pastel, je sais que ça se fait pas parler. C'était juste pour la blague, là. Non, mais ça fait ce tu sais, quand John est là, j'insulte les chemises pastel. Je suis pas de même pour vrai. Je suis une autre personne quand Jerry est là. Au moins c'est pas... qu'il me trouve cool. Au moins, c'est pas ma première chemise de même parce que clairement, j'aurais fait comme « Ah, Chris, c'est vrai, c'est de la merde. » J'aurais changé de chemise. Mais ça fait des années que je porte cette chemise-là, fait que ça me dérange pas. Mais dude, moi, Mike, man, j'étais arrivé avec ma veste de jeans avec les manches coupées. Puis lui et Michel, ils m'ont traité de gay avec ça. Je l'ai plus jamais reporté. Oh, t'es sérieux? Mais non, nice, en plus, t'avais ça. Je l'ai donné à Jacob. Oui, je l'ai vu avec. Je l'ai plus jamais reporté. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, Chris, t'aurais dû la garder. T'aurais pu en mettre pas de chandail. Il y a bien des affaires que j'aurais dû faire, mais ils m'ont joué dans la tête. mais je te filme, moi, avec, mettons, genre. Surtout, mais toi, quand tu sais, du monde, tu respectes trop. Pis... ouais. Il pense je suis convaincu que ça, je vais l'enlever. En plus, le gars, c'est ton idole. Tu sais, genre, t'as commencé à faire du stand-up en regardant lui. Puis tu sais, les autres, ils le pensaient pas. Là, quand ils m'ont dit, ils voulaient juste rire de moi. Pis, clairement, ils sont conscients de l'effet qu'ils ont sur toi aussi. Ben oui. Puis j'ai plus jamais reporté. Mais même, si Michel Grenier était venu ici pour faire une émission, puis depuis qu'il a fait comme pas besoin d'écouteurs, puis personne ne met des écouteurs ici. Il y a juste moi parce qu'il faut que j'entende le son. Mais toi, ah non, c'est vrai, c'est gay, les écouteurs. Puis depuis, on s'en est rendu compte une couple d'épisodes après. Chris, c'est vrai, c'est à cause que Michel a dit ça qu'on a mis tout. Ben oui. Mais genre, du coup, ça va être, ah, c'est vraiment pas besoin d'écouteurs, dans le fond, Michel. Moi, qu'est-ce que j'aime des écouteurs, c'est que tu restes concentré dans la conversation. Ouais. Ben, c'est comme si tu me parlais de même dans l'oreille, là, t'sais. Ouais, j'avoue. Fait que t'es pas déconcentré par les bruits ambiants. Ah, ben, j'aurais de la misère à rester focus en ce moment parce que. Ouais, mais une chance de les écouteurs et la chemise pastel. Oh oui! Mais c'est vrai, par exemple, que le monde finisse par oublier les micros. Des fois, les invités, tout est un podcast. Ouais. Clairement, tu le sais, tu l'oublieras pas. Là, mais genre, clairement, que les écouteurs. Tu oublieras pas tes invités, c'est clair. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. T'as genre José Desgodets, pis t'es comme, moi, j'allais me faire une pizza. Je réécoutais un sous-écoute que j'avais fait avec Julien Bernatché. Ouais. Puis, dude, j'étais tellement saoul. J'avais oublié que j'étais dans un podcast. Puis là, je parlais de même. Je suis pas trop saoul. Tout le monde riait parce que si je venais de catcher, il fallait parler dans le micro. Le gars qui dit qu'il est pas trop saoul, il catch pas, il parle dans le micro. Mais faire ça saoul, j'avais fait ça une fois, un épisode où est-ce qu'il fallait que je sois saoul parce que c'était comme un espèce de concept. En tout cas, bref. Ouais. Puis genre. C'est la fois que t'avais emmené des petites bouteilles. Oh! Non. Ça, c'était dégueulasse. Le pire, cette fois-là, il était supposé boire tout ça là-bas. Non, puis on était tous. Mais dans ma tête, déjà à base, c'était un once chaque. Fait que disons, c'est beaucoup. C'est 1,5 once. C'est 1,5, fait que c'est rendu 15 onces. Puis là, j'étais comme, OK, 15, c'est pas la même game. 15 onces, c'est 10. Déjà 10 onces. 10, c'est beaucoup. Ben oui. Mais tu bois. Mais 15, dans une soirée, comme... ça va en 10 minutes, calice. C'est parce qu'à 10, j'avais des doutes. J'étais comme peut-être que. Mais à 15, j'ai fait clairement, je peux pas. Fait que j'étais genre vraiment. Tu penses vraiment que 10 ans, t'aurais pu boire ça? Ben, je pense que j'aurais pu le boire, mais j'aurais été décalissé. Mais j'aurais pas vomi. T'aurais vomi tout partout. Je pense, je sais pas. Je bois quand même disons, souvent c'est... du fort. C'est quand même pas pire. Là. Ouais, c'est beaucoup. En plus, c'est beaucoup. L'épisode qu'on n'a pas sorti, je pense. C'est l'épisode qu'on n'a pas sorti finalement. Celui-là, ouais, mais je l'ai fait. Non, mais tout le monde en a pris finalement. Ça donnait un bon moment. Moi, je trouve ça le fun. Ah oui, c'est vrai. Moi, puis Jacob, on avait réécrit. Hey, ça, faudrait peut-être l'enlever. Ouais. En plus, c'est correct. On a fait deux grosses crises de moumoune. Parce que les gens étaient tous sous-morts. Ouais, mais ça reste quand même. En fait, c'est surtout. Non, mais c'est pas grave. Vous êtes revenu après. Moi, je manquerais. J'aime tout le temps ça vous voir. Ouais, mais ça reste quand même qu'on a fait nos moumounes. Ben non, c'est vraiment pas grave.
Mais ouais, vous avez fait vos momounes. Puis après ça, on a... non, le tapette. Non, non, le tapette. Oh, oh, oh! C'est Michel qui disait ça. On le dit. Oh, oh! Ce serait que tu droppes le N-word pour rien, juste pour être offensant. Vous avez fait vos... En tout cas. J'ai aimé que tu ah, c'est ça, c'est ton père qui est en train de scripter du négresse. Ouais, ben c'est parce que dans mes écouteurs... hey, là, t'as pas du nègre. Là, ça manque de... Ça manque de... Faut pas qu'on oublie, là. Ouais, ouais, ouais. Astor, les tamoules. Ouais. Ouais. Ben alors, c'est ça. Mon père, cette semaine, il a sorti son drapeau sudiste marqué dessus Never Forget. Sudiste. Ouais, il l'a mis devant chez nous. Mais, mais le drapeau, il est nice, pareil. Ouais, il look. Je trouve look, que le, joli, ouais. Le logo, il est nice. C'est comme le logo aussi des nazis. Ouais. Moi, je trouve ça. C'est. Il look bien, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, je voulais l'avoir. Mais quand tu sais la signification que ça a, tu fais. Hé, tabarnak. Ben non, ça n'a pas de sens. Bon, mais... pense plus que mais je veux en avoir. Celui-là, mais... je trouve en particulier, parce qu'on dirait le drapeau des States, sauf que tu mets un X avec les étoiles là-dedans. Ouais, mais toi, ouais. Mais pourquoi il look en nostalgie? Il look, il, ouais. Il look clairement. Mais c'est juste que historiquement, la seule raison pourquoi il y avait des sudistes, c'est parce qu'ils voulaient continuer d'avoir des noirs à leur service. Là. Ouais. Je veux dire, c'est la seule raison pourquoi. Ouais, lavage. Non, non, mais c'est pas pour. C'est vrai que. Mais mon le logo est beau. That's it, là. Non, mais le logo... mais le logo est beau, mais ouais, c'est pour ça que ça me fait chier. Tu sais, les Dodge Charger General Lee, là, tu sais, de ouais, ouais. Attrape-moi Shérif, là, le ouais. General Duke Lee. Of Hazzard. Il y en a un drapeau sudiste sur le top. Je serais pas capable de. Je l'adore, le char, là. Je l'adore. C'est genre, c'est, ça a été longtemps mon char préféré quand j'étais jeune, mais je serais pas capable d'avoir ce drapeau-là sur le top. On okay. Dirait que. Ben parce non. Que j'ai étudié en plus un peu l'histoire afro-américaine. Fait que je suis genre. Tu sais, je le sais trop c'est quoi que ça veut dire pour le mettre là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Tu sais, quand tu le sais vraiment, on dirait que tu peux plus ne plus le savoir. Genre, tu sais, c'est. J'ai vu un dude man qui roulait en pick-up, puis il avait callé un hostie de gros drapeau sudiste dans sa boîte de pick-up. Non! Mais vraiment, genre. Lui, il pensait que c'était un hostie de gros, là. Ouais, tu le voyais au vent. Mais ce dude-là. Qui sait que ça veut dire, puis c'est... Hier, non, non, non. Ce dude-là pensait que c'était le drapeau country, OK? Ben, il y a d'ailleurs, ça ne surprendra pas personne. Pour vrai, il y a du monde qui pense que ça veut dire country, ce drapeau-là. Ben, ça fait Dixie, ça fait, tu sais, c'est le drapeau du Sud dans les ouais, drapeaux, ouais. Dans les c'est vrai, dans ces villes-là, on écoute bien. Ouais. Comme à Dallas aussi. Ouais. Je serais vraiment curieux de demander à du monde c'est quoi ce drapeau. Ah, je sais pas, Sud des États-Unis, Country ah, c'est, Rock. Ben, c'est la pochette. Country Rock. Moi, j'ai mis ça pour la pochette de Dolly Parton. Ouais, mais c'est ça. Mais je suis sûr qu'il y en a du monde qui pense que ça veut dire country. Parce que il peut pas avoir autant de monde. Tu sais, les boucles de ceinture, ben, là, c'est plus vraiment en mode, là, mais mettons, des boucles de ceinture. Genre avec le drapeau sudiste là, tu sais, ouais. Un peu cowboy et whatever. Genre j'avais déjà vu ça une mais fois. T'avais même comme... Pantera, c'était quasiment leur logo là. Genre t'avais des boucles de ceinture justement, c'était comme le drapeau sudiste marqué Pantera en haut. Ah, Pantera, ouais. T'es raciste, toi. Chris, man, le chanteur de Pantera s'est mis le pied dans la gueule une couple de fois, mon chum, là. Genre, oh, ouais. Dans des hosties de call racistes. Puis, genre, honnêtement, je les ai pas entendus. Vraiment raciste ou genre, c'est maladroit? Genre. Honnêtement, je les ai pas entendus. J'en ai okay. Entendu parler, fait que je pourrais pas te dire ouais. Exactement c'est quoi, là. Mais j'ai ouais. Entendu dire que ça a l'air que ça arrivait souvent sur scène, genre, qui ben, je sais que Leonard Skinner, ah, ouais. Tu sais, eux autres, Chris, c'est pas loin, pas mal ça, là. Tu sais, puis. Ouais. Ben, en tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais je pense. Je sais plus qui me contait ça, mais ça a l'air que. Il y a un moment donné, il y avait un show en quelque part, puis c'était marqué dans leur devis technique qu'il fallait pas qu'il y ait de noirs qui travaillent oh, dans l'aréna. Tu sais, c'est pas juste genre, hey, je veux pas en avoir sa tournée ou hey, je veux pas qu'ils me croisent. Écoute, non, c'est dans l'aréna. Clairement. Clairement. Hey, on veut pas un. Clairement. Parce qu'en plus, hey, c'est il doit avoir là. 500 employés, câlisse, là. Dans le sud des États-Unis, une des villes qui a été le plus longtemps raciste puis qui a eu de la misère à s'assimiler là, avec les nouvelles règles, là, ça a été l'Alabama. Eux autres, ils ont une toune qui s'appelle Sweet Home Alabama, tabarnak. Ouais. Je veux dire, tu sais. Puis ils bashent Neil Young. Oh, ils aiment beaucoup l'Alabama, là. Tu sais, c'est... Ah, ils bashent Neil Young, là. Ouais. Oh, Neil Young will remember. A southern man don't need him around. A southern man don't need him around. Ah, ouais. Puis tout le monde chante cette toune en faisant ça, c'est de la musique. Puis. Ouais. C'est écrit par des racistes. Ah ouais, ouais, ouais. Coming home. Mais ça change pas que la toune est bonne. Ça change pas que la toune est super bonne. Ouais, bonne. Puis ça change pas que Kid Rock a fait un cover aussi de cette toune. Ben ouais. Il a changé parole. Puis il a pris. Lui vient de Détroit. Mais il a fait
Ah, ben en même temps, correct, c'est raciste. Ouais, mais en même temps, c'est un hommage là, qu'il faisait. Honnêtement, en musique, ça se fait plus que. En humour, genre, ça n'a pas de crise de sens, le monde qui font ça. Non, mais en musique, ça se fait. Mettons, même dans le rap, tu as des samples de tunes qui peuvent faire des beats. En plus, il avait pris en plus le riff, Kid Rock, là. Il avait pris le riff de Werewolves of London de Zevon. Warren Zevon. Ouais. En tout cas, whatever. Puis, genre, il y avait juste tout ce qui était dans la tune, à part les paroles, parce que c'est pas Sweet Home Alabama, les paroles, là. Mais ben, à la fin, la tune, il dit Listen up, Sweet Home Alabama, all summer long. Ouais, mais c'est pas vraiment volé, genre. Ben non, Chris, pas volé une tune. Il cite la tune. Ouais, mais t'as le droit de refaire. Ben oui, ben oui. Mais anyway, honnêtement, c'était pas. Tu sais, je pense qu'il faut que tu payes un droit. Anyway, il faisait pas la tune, genre, c'était même pas un chorus de la tune, il faisait nommer la tune, tu sais, genre, comme s'il disait J'écoutais des Summer of 69 pendant l'été. Ouais, d'ailleurs, je récolte tous les Patreons, puis je vais pouvoir acheter la toune la plus merdique des Beatles, puis sortir un album simple de même. Ça sera à quel? Genre Michel. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Ça va être ça. Ouais. C'est une toune de cul, pour vrai. Non, mais il parle français, Marco, Calis. Hey, il parle français. Au forum, ça devait capoter. Parlant français, Marco, est-tu comme Maurice Richard? Parlait comme la langue à Maurice Richard, est-ce que t'aimes-tu ça, les Beatles? Non. Non, non. Non, moi, Beatles, Star Wars, Harry Potter. Il y avait des enfants que le monde drip. J'en ai absolument rien à chier. Je comprends. Non, mais il y a des affaires où, tu sais, il y en a que tu vas dire, hey, j'aime pas ça, il faut faire quoi? Quoi? Puis ils sont pas capables d'en revenir. Là, non, je comprends. Ben oui. Ouais, non, mais je sais. Tu sais. Moi, avec, j'en reviens pas. Je suis comme, voyons, calisse Harry Potter, c'est ça la coche. Moi, dude, il y a. Non, je te gagne. Les seuls qui peuvent faire de la magie, c'est Gandalf. Moi, c'est le seul que j'embarque, tout le reste, j'en ai rien. As-tu vu? Moi, j'ai passé, je te jure, là, un 5-6 minutes avec ma blonde à regarder une vidéo qui faisait toutes les traductions de Gandalf quand il fait Vous ne passerez pas! Puis il y a genre, je te jure, en comme 18 langues. Puis on était comme. Ouais, je pense que le Suisse est vraiment mieux que l'Espagnol. Ouais, le meilleur, c'est l'Allemand. Très impératif, très gouverneur, je trouve ça. En portugais, ça doit être drôle. Il y en a plusieurs qui étaient à chier, mais je te jure qu'on en avait un préféré à la fin, puis c'est vraiment weird de faire comme ouais, portugais, ça c'est nice. Ouais, c'est celle-là. Ouais, le voice actor était vraiment ça. J'aimerais ça entendre. On le sent. J'aimerais ça entendre This is Sparta en allemand. Ah ouais. Sei Rodé! From kick. Non, c'était bon, ouais, c'est fait que, non, man, les Beatles, ben, c'est sûr, il y a des classiques. Ouais. Il y en avait. C'est Blueberry Mium Mium. De Ludacris. Ah, c'est Ludacris? Ah, ça devait être un cover d'abord parce que. Ça me c'est John Lennon, ça. I got Blueberry Yum Yum. Blueberry Yum Yum is getting higher. Non, mais laquelle. Non, je me souviens plus, c'est laquelle. Ah, c'est Shake. Ça, Shakin' a Baby. Oh, Twist and Shout. Twist and Shout. Hey, nice. Ouais, nice. En plus, c'est drôle dans le vidéoclip. Tu sais, clairement, tu entends sa track que John Lennon, il crie dans son micro. Ouais. Puis genre, t'entends. C'est comme genre, Shakin' a Baby. Puis là, tu vois, genre, dans la vidéo, il est comme Shakin' a Baby. Oh, man, la vidéo est à chier. Ça n'a pas rapport. Le gars, il fait que parler dans son micro, mais t'entends clairement qu'il hurle en studio. C'est parce que le vidéoclip, le vidéoclip en 64, mettons, ça n'avait aucune valeur. Il était juste comme, on fait-tu une vidéo? Ouais. Tu sais, il n'y avait pas de. Ah, ils sont autant forcés sur le vidéo que sur le solo de guide dessus. Ah, mais c'est genre, où est-ce qu'ils vont le diffuser? Tu sais, comme la télé va peut-être le diffuser, peut-être. Avez-vous entendu la rumeur comme quoi que ça se peut que les Beatles sont morts dans un accident, mais ils étaient tellement populaires que s'ils avaient annoncé comme quoi qu'ils étaient morts, il y aurait eu trop de monde qui s'aurait suicidé? C'était Paul McCartney, cette rumeur-là. OK. Puis, il y a tout un. J'ai écouté un documentaire là-dessus, mais moi, personnellement, j'y crois pas vraiment. Puis, même Paul McCartney, il se le fait demander en entrevue. Puis, il est comme. Chris, genre, il a la même face. Ben, même il dit, ben, vous, ben, tu me vois là. Puis, tu sais, quel autre argument tu peux avoir à je suis pas mort? Comme, ben, tu me vois là. Je suis là, je suis avec la même femme. Là, ouais. Mes enfants. Mais il y a bien du monde, tu sais, qui ont des personnes qui ressemblent beaucoup. Là, ouais. Moi, j'ai un de mes chums, là, puis c'est même pas des blagues. Il est allé au musée.
de la guerre qui était à Ottawa. Oui, à Ottawa, je suis allé. Puis lui, il était en train de regarder les tanks et tout ça. Puis là, il arrive dans la section de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a un juif dans un camp de concentration. C'est exactement lui. Ah, oh, ouais. Ah, wow. Dude, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Il n'y a pas une différence. Ah, nice. Puis, ben, lui, gros, il capotait. C'est clair, ouais, man. Il fait, Chris, pourquoi je suis là, ouais, tabarnak? Ah, ouais. Là, t'apprends que t'as jamais existé. ça m'est arrivé une fois aussi. J'allais voir un show de musique. Puis, on attend dans le hall avant de rentrer. Je pense que c'est plus quoi, la salle, en tout cas, peu importe. Puis, il y a un gars, genre, au fond de la salle, qui me ressemble que le Chris. Puis là, je suis le premier à m'en rendre compte. Je suis avec des chums. Puis, je suis juste comme. Non, ça se peut pas. C'est impossible. Attends une minute. Puis là, je demandais à quelqu'un, comme. Hey, tu trouves-tu qu'il me ressemble? Puis là, il se revirait comme. Tabarnak. Là, j'étais comme, faudrait que j'aille prendre une photo avec, mais en même temps, c'est un peu weird. Hey, on a la même face. Mais c'est parce que clairement, il a dû s'en rendre compte, lui, avec. Là. À part s'il est vraiment pas perspicace ou il est mis-up. Ben, on a eu un contact. Puis j'avais, fait un genre de. Il a fait la même face qu'un chien. Il a fait la même face, tu sais, qu'un chien qui fait caca, qui te regarde dans les yeux, genre comme. Un peu gêné. Un peu désemparé, comme. Qu'est-ce que c'est que... Ça serait drôle, quand vous regardez, vous commencez à faire les mêmes gestes. Oh my God! Attends, je vais le tester. M'a prendre un drink weird. M'a prendre un martini, mais juste avec du jus d'olive. Puis là, tu t'es revu, il y a la même affaire. Ah, les deux, regardez. Calisse! Je pense qu'on va se sucer. C'est que là, sa blonde est identique à la tienne. Ah oui, c'est ça, vous faites, vous faire comme... On switch de corps. Oh. On switch de vie, tu sais. Oh oui. Oh comme dans Freaky Fridays. Ouais, c'est ça. Freaky Fridays, ça fait que... Ouais, non, mais c'était l'affaire avec les jumelles Olsen, je pense. Ou, Non, c'était Lindsay Lohan. Lindsay Lohan puis Jimmy Lee Curtis. Ouais, Jimmy Lee Curtis puis Lindsay Lohan. Ouais, non, mais moi, je parlais de la trappe parent, en fait. Que genre, ouais, ça, c'est... Ah, ouais. C'est Lindsay Lohan? Non, c'est... Oui. Ouais, c'est Lindsay Lohan. Ouais, c'est Lindsay Lohan. Parce que, mais je sais qu'il y a aussi les jumelles Olsen qui en ont fait une petite... Une genre de show qui ressemblait à ouais, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, ça se peut. Je me rappelle les jumelles Olsen, là, quand j'avais 10 ans, là, qu'est-ce que j'ai cherché à voir leur vidéo secrète porn? J'ai cherché ça en tabarnak. Ouais. Ça n'existe pas. Je vous le dis, ça n'existe pas. Si vous voulez chercher, n'essayez pas. Ça... Peut-être plus là, il y en a une, on dirait qu'elle est sur le crack. Là. Ouais, mais il y en a une qui était genre une bonne chum à Heath Ledger, puis je pense que c'était. Ah, une bonne chum à Heath Ledger, ouais. Ouais, en tout cas, je suis. Heath Ledger? Le dude qui faisait le Joker qui est mort. C'était une bonne chum aussi à Patrick Swayze. T'as chum avec plusieurs personnes dans le milieu. Ah, ouais. Flavor Flav. Gros ami. Ah ouais, ça se voyait souvent. Il a déjà fumé du crack. Tabarnak. Flavor Flav! Je sais pas. Flavor Flav. C'est qui est laid. Clairement, c'est legit un des êtres humains le plus laid que j'ai vu de ma vie. Clairement que Flavor dans Flavor Flav, c'est la saveur de plastique. D'après moi. Ça goûte comme toi quand tu fais un trou dans ta bouteille de plastique, comme si t'enlevais le bouchon. Non, ça goûte le chèque. Oh, ouais. Tabarnak. Hey man, les jumelles Olsen, sacrement, je tripais dessus plus jeune. Tabarnak. C'est juste le fantasme d'avoir genre des jumelles qui te fourrent en même temps. T'es comme genre. Vous êtes parents, vous n'êtes pas supposé. Ah, ouais. Mais weird, mais en même temps, qu'est-ce que vous êtes cute! Tabarnak, man. Puis, ouais. Mais tu sais, quand tu te rends compte qu'il y en a. Puis il y en a une, elle est pareille, elle est juste plus vieille, mais celle qui a mal viré. Là... Elle n'est pas plus vieille, je te le laisse. Son yo la même âge, c'est ça. Non. Je parlais de comparer physiquement. Non, je comprends. Physiquement. Ouais, c'est vrai qu'il y en a une qui a l'air plus vieille que l'autre pour elle, parce qu'elle est plus mince, je pense. Ou, ouais, ça doit être le crack, ouais. Ben, c'est ça, tu vois qu'elle l'a clairement moins échappé. Ouais. Là. Comme un trou d'un nez ici. Là. Genre, c'est exactement le rond de pipe. Là, elle a littéralement les joues qui creusent. C'est genre des petits cratères dans. Imagine si ça te. Si ça te fait fondre les dents, imagine ce que ça fait à tes poumons. Ah ouais. Ah, pour vrai, ça doit être tabarnak, man. Ben, nous, il est rendu là, il s'en calisse bien. Est-ce que vous coucherez avec, pareil? Ben, je l'ai pas vu, mais probablement pour l'anecdote. Non, mais tu sais. J'ai couché avec une des jumelles Olsen, c'est comme. Non, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, peu importe qui, tu sais, genre, juste une célébrité que tu tripais tête plus jeune, mais là, qui est rendue fucking dégueulasse à cause de la vie, tu sais, genre, puis des mauvaises décisions. Ah ouais. Mais ça reste quand même que, tu sais, tu peux fermer tes yeux et faire... Ah! Ah!
Ah ouais. Ah ouais. C'est l'autre jumelle. Mon frère semblant. La même affaire avec Amanda Bynes, c'est-tu qui est mal virée, elle était chaude. Ouais, elle. Ah ouais. Tellement. Ça a été elle, mon ça l'air que c'était un problème. De genre, elle a fait des crises d'anxiété puis elle a mangé ses émotions. Ben, elle avait l'air d'avoir des problèmes de santé mentale. Ah oh, ouais, oui, c'est oui, ça. Oui, elle avait l'air. Comme... Genre, quasiment schizophrénie. Ça, ouais, c'est ça. On dirait qu'elle a fait une psychose de drogue puis qu'elle n'en est jamais revenue. Ben, en plus, la schizophrénie, là, ça peut aller loin. En plus, les gens, s'ils se médicamentent bien puis sont suivis puis tout ça, ils peuvent revenir normal, tu sais, pratiquement. Là. Mais, non, c'est bon, jeune Dieu. Mais genre, tu sais, si tu laisses ça aller de même, genre, ça devient esti Amanda Bynes en 2008. Ou c'est comme, tu sais, Britney Spears aussi, là, tu sais. Moi, j'ai j'aimais ça rire d'elle, mais quand c'est le background qu'est-ce qui est arrivé? On a commencé à rire d'elle quand elle était moins cute puis qu'elle s'est rasée. Non, soyons francs. Elle était moins attirante, on a fait mais mais il y avait un aussi bon épisode de South Park là-dessus, je pense. Ah ouais, ben oui, man, où est-ce qu'elle a toute la moitié de la tête arrachée. Ouais, parce qu'elle était comme allez, Britney, il faut que tu chantes. Elle faisait Mais tu vois que genre toutes les paparazzis se mettent dessus pour la rendre folle jusqu'à temps qu'elle se tue, puis tu te rends compte que finalement c'est pour les récoltes. Ah ouais, de la moisson. Pour avoir une bonne moisson. Ouais, puis après l'épisode, tu vois Miley Cyrus genre dans était Anna Montana, puis tout le monde qui regarde la télé. J'ai l'impression que l'année prochaine va être une super bonne récolte. Ah, genre, ouais, wow. Juste de même, genre, c'est tellement une belle critique, par oui, exemple. Vraiment, c'est vraiment une petite belle critique. Mais South Park, c'est fou. C'est ouais, mal à quel point ils sont capables d'être drôles et de passer un hostie de message. Ouais, des ouais. Fucking génies. Parce qu'ils le font à répétition en passant. Là. Ils le font à toutes. Ben, peut-être pas à toutes les semaines, mais genre souvent. Là. Ouais. C'est tough à faire. Là. Ben oui. Chris, faire rire et faire comprendre sociale. À tout le monde. Mais ben, comprendre à tout le monde. Il y a du monde qui n'ont pas compris non plus. Ouais. Là. Mais d'avoir un message critique, ça c'est engagé. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'on se rappelle peut-être plus de Stan, le père à Stan qui est rempli. Je pense que c'est des boys. Randy qui est... Non, pas des boys. Non, Randy rempli de dèche sur son clavier d'ordi. Là, c'est sûr que c'est drôle en tabarnak, mais... Ouais, l'épisode de Guitar Hero, tu sais, le monde qui joue à Guitar Hero, il arrive avec sa guitare, il fait Carry On My Wayward Son. This is a game, Mr. March. Non. Il dit, it's gay, Mr. March. Il dit, this is gay. Non, non? Je pensais que tu disais « This is a game », genre, vous l'en je m'en collais, c'était la guitare, on peut jouer à ça. Moi, c'était plus l'épisode où il pète. Tu sais, il pète dans le micro. Puis... Oui. Puis, il est genre en dépression, puis il entend juste la barbe. Puis il joue, puis là, il est en train de se laisser avec Sharon, tu sais. Oui. Puis c'est... Tout le monde est comme « Il a du talent, ce mec. » Tu vois, il y avait un épisode que... Ben, c'est sur une couple d'épisodes pendant une saison, il disait que... La fille Lord, là, la chanteuse, qui c'était Randy. C'est Randy. Tu vois, c'est juste « Non, Lord. » Puis là, ça, il met de l'autotune, puis tout, puis ça devient genre la tune Royal. Mais tu le vois, « Non. » Oh, wow. Il fait des shows, il fait avec sa moustache aussi, personne ne reconnaît. C'est tellement... En plus, c'est une fucking bonne. C'est drôle. Oh, dude, classique, avec les grosses couilles, là. Oui, ça, c'est un... C'était juste « Allez, papa, maman, on dit d'arrêter d'essayer d'attraper le cancer. Allez, non, je veux juste un peu de cancer. Juste un peu de cancer. » C'est les couilles de C'est l'épisode avec le plus gros caca au monde, genre. Oui. Quand il mesure son caca. C'est YouTube. C'est le chanteur de YouTube. C'est Bono. C'est une grosse histoire. C'est Bono parce que c'est une estime de marbre. Non, Bono n'est pas le détenteur du record. C'est le record. C'est pour ça qu'il ne veut jamais être numéro 2. En plus, j'ai entendu, là, ça va, tu sais, il appelle... Puis il se fait allaiter par le scientifique. Il veut être nourri. Tabarnak que c'est drôle. Mais j'ai entendu en plus dans cet épisode-là, tu sais, mettons, il évalue l'unité de mesure pour les merdes, c'est des courax. Ça a l'air que Kourak, c'était une journaliste qui avait fait un review de merde sur South Park. Fait que là, t'es comme, il doit peser 8 Kouraks. C'est comme, c'est quoi les Kouraks? C'est le thé de mesure pour les merdes. Ah, mais c'est tellement drôle, esti. Oh, juste pour leur remettre dans la face. Esti, man. Non, ils sont malades, ces gars. Ah, pauvres, ils sont écœurs. T'as vu Six Days to Air? Non. C'est genre un documentaire, ça dure peut-être 50 minutes, genre. Il est là sur YouTube, je pense. C'est. C'est comme, dans le fond, parce qu'eux autres, ils écrivent un épisode à chaque semaine, dans le fond. Là. Genre, ils écrivent pas d'un coup, puis après ça, ils montent. Là. C'est genre, à chaque semaine, ils partent de rien, puis là, faut que pour la semaine d'après, il y a un épisode de montée, puis tout. Ah, OK, fait qu'ils se le font une semaine d'avant, genre.
Ben, en fait, ouais, c'est ça. Mettons, exemple, il air le dimanche, mettons. Là, fait que là, ah, c'est vrai, lundi, parce que ça arrive exactement. Tu sais, si tu suis en anglais, là, c'est exactement en lien avec l'actualité. Exact. Là, comme exact. L'affaire de la Chine. D'où, tu sais, la 3-4 jours après, il y avait déjà une émission. C'est le jour pour écrire, éditer, faire l'animation, les voice-overs, tout le kit. C'est 6 jours. Ouais, mais il doit avoir un esti d'équipe. Ouais, c'est une équipe. Une belle équipe. Les autres, ils doivent juste s'occuper de l'écrire, puis il y a quelqu'un qui... Il arrive avec l'idée, mais genre, tu vois, mettons, genre, comme le gars est comme... Ouais, il dit, j'ai pas d'idée. Wow. Là, genre, mettons, il est là, puis il dit, des fois, mettons, je commence à gamer chez nous, puis paf, une idée arrive, puis OK, c'est cool. Mais genre, tu sais, t'as comme... Fait qu'ils ont le temps de gamer, en plus. Ben, chez eux, là, quand il a fini, mais tu sais, en général, ils sont pas mal tout le temps. Mais c'est ça, ça les suit pendant une semaine, dans le fond. C'est comme un peu le making up de ça. Mais je vois ça. C'est vraiment bon. T'as jamais de day off, en fait? Oui, parce que c'est pas tout le temps, mettons, une saison. Fait que ça va durer, mettons, je sais pas, 12 semaines, 13 semaines, puis après ça... Ah, OK. C'est, j'pense... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est comme un peu des contrats, tu sais. C'est comme t'as un 6 jours ou, mettons, t'as un 20 jours intensif. Puis t'as une semaine tranquille. Je sais pas s'ils sont obligés de le faire, mettons, une semaine d'avance. Ça veut dire qu'il faut tout le temps, qu'à chaque semaine qu'il y en a une qui sort, il faut qu'il l'aille écrit la semaine d'avant, dans le fond. Fait que, ben, ça doit être, c'est ça. En fait, ce qu'ils disent dans le documentaire, peut-être que des fois, ils arrivent avec des idées. Là, genre, je pense qu'il y avait un... Tu sais, Mané, il y avait des saisons qui avaient commencé à faire quasiment comme une série normale, là, que les épisodes se suivaient, puis ça retombait pas tout le temps à zéro, puis... ça a l'air qu'il avait pas vu que Donald Trump allait gagner. Fait qu'il avait écrit de quoi? Là, finalement, parce que genre, t'avais Garrison qui faisait Donald Trump. Puis là, finalement, il est rentré. Ça chie leur idée. Exact, là. Exact. Ça a tout chie leur idée, mais il fallait qu'il s'adapte, je pense. Moi, je me demande de où ça part, Carmen. De c'est qui, ce gars-là, tu sais. Ben, c'est genre une parodie de Hitler, un peu, là. Ouais. Ah, ouais. Mais en même temps, je suis sûr qu'il doit avoir été inspiré de quelqu'un dans leur quotidien, un mononcle. Ou Randy, tu sais. Ou qu'est-ce que Randy est devenu. Parce qu'avant, tu le voyais pas vraiment, Randy. Là. Il était. Ouais, c'est vrai, il était plus même pas secondaire. Ouais, t'es juste présent d'un fouet. Moi, j'adore la mère de Karkman. Ouais. Elle est tout le temps super douce, puis le Karkman est tout le temps un esti d'enfoiré de merde. Non, je trouve ça cœur. Mais les premières saisons, tu la voyais faire du crack, esti, puis c'est une pute, ouais. Tu voyais faire du crack, puis genre, elle était comme dans son lit avec trois noirs, esti, genre. Mais non. Ouais. Je me rappelle pas de ça, esti. Ouais. Je me rappelle pas des premières saisons, ça, tu sais. Je me rappelle pas. Je sais qu'ils ont été pris comme par un network parce qu'ils ont envoyé une cassette VHS genre avec un truc, c'était genre Salt Park, Noël ou je sais pas trop. Les personnages étaient un peu là. Puis c'était juste comme une espèce de montage d'animation qui durait 5 minutes à peu près. Puis je pense que c'est une chaîne de télé qui l'ont pris ou... Mais ça part vraiment d'un petit court-métrage de rien qui a juste comme explosé parce que tout le monde a fait « What? C'est donc bien cool, ça. » C'est avec M. Honky, je pense, qui était dans ce truc-là aussi. Fait qu'ils ont juste fait « Hey, c'est trop nice, on veut ça. » Fait que là, ils ont parti comme ça. Genre. Fait que ça part vraiment de rien. Ouais. South Park, ça? Ouais, South Park, oui. Calé. Ouais, ça part de pas grand-chose. Je sais pas si... J'ai entendu des bons commentaires sur The Book of Mormon, là, leur comédie musicale, mais j'ai... Ouais. Mais j'ai l'impression que ça me ferait chier vu que c'est une comédie musicale. Genre. Ouais. Bon, je pense, vu que tu sais que t'aimes South Park, t'es capable de passer par-dessus ça, là. Peut-être. Salut! Moi, tout le monde était comme dans le silence juste à dire salut. Je dis, non, on y dit salut pour vrai. Salut, Jasmine! Je sais que je t'ai déjà dit salut puis que c'est weird, là, mais... Ouais, t'es... Tu vois, Fink, personne n'est parti. Elle pousse la caméra. Elle me regarde, elle s'en va. C'est donc ben qui, votre projet. Hey, ton projet, il lève pas, si tu abandonnes. Décroche. Les trois se stylaient dans le divan, là. Quand même qu'il n'y a pas à table, si ça lèvera pas. D'ailleurs, on va aller vous à notre segment « Les trois assistilets sur le divan ». C'est vrai qu'il y a un segment de même. Hein? Ouais, genre du montage. Hein? Le segment « Les trois assistilets dans le divan », là, je fais juste insulter. Ça peut être, ça. Tu sais, être le fun. L'année passée, quand aux Oliviers, t'avais pas été nominé puis qu'il y avait genre le lift qui était nominé. Ah, quoi? Oui. Le lift, c'est quoi ça, Chris? C'est une genre de web série qui. C'est Mathieu C qui faisait ça. Ah. Mais tu sais, maintenant je catch comment que c'est fait des Oliviers. Puis là, je fais ah, OK, ben c'est parce que. C'était pas moi cette année-là. Là, ouais. Puis honnêtement, ça faut vraiment que tu le vives pour catcher. Parce que, tu sais, moi, tout le monde, il me disait, tu vas voir, les Oliviers, ça change absolument rien, tu sais. Puis ils ont fucking raison.
tu sais, tant si longtemps que tu gagnes pas, ça change fuck all. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'en ai jamais gagné. Là. Puis, peut-être si je gagne de quoi, je vais, ça va absolument rien changer aussi. Tu sais, parce que là, la seule affaire qui était nice, pour vrai, c'est que tout le monde qui a cru en moi, tout le monde qui était content pour moi, ben, c'était, un est, c'était un moment pour nous autres. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pouvais le vivre avec tous ceux qui suivent qu'est-ce que je fais. Puis. C'était une belle tape dans le dos aussi. Puis, tu sais, ça a un peu augmenté mon niveau de notoriété dans le milieu de l'industrie de l'humour, un peu, mais... J'avoue que ça donne la pertinence de ton podcast. Ouais, ça donne la reconnaissance. Un peu, mais en même temps, d'où ça change absolument rien. Ouais. Mais t'es beau à voir, par exemple, dans le public, là, quand on a eu ton nom, c'était moi, j'étais vraiment content. Parce que j'ai écouté avec Jasmine, on était comme Chris. T'avais des petits yeux d'enfant, mon gars, quand tu regardais quand t'étais nommé, puis que, genre, ils ont passé le vidéo, là, t'avais tellement l'air. Mais je savais pas qu'ils me filmaient, parce qu'avoir su qu'ils me filmaient, j'aurais fait un esti de face de trône. Ah non, mais pour vrai, c'était beau. Tu craches dans la caméra, tu sors ta graine, tu pisses sur Ginette Renault. Ouais, ou sur Maman Dion. Elle fait clairement pas Ginette Renault, je sais pas pourquoi c'est là. En tout cas, Ginette, elle se déplace pas pour ça. Je pense pas. Je pense pas. C'est une madame vulgaire, ça. Hein? Ginette Renault? Chris de... Ah ouais. C'est qui dit pogne le monde par la graine, là. C'est encore il invente des rumeurs. Mais il paraît l'air de ça. Mais il paraît qu'elle était très vulgaire. En tout cas, ma mère, elle travaillait dans une salle de spectacle. Ah, je parle de ça fait longtemps. Là, genre les années 80. Puis c'est genre... Ouais. Puis elle sacrait tout le temps, puis elle pognait le cul des techs, puis genre, elle s'en colissait. Ah, le belle fesse, c'est ce petit tabarnak. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Il paraît qu'elle faisait des hashtags MeToo. Ouais, mais quand ça vient d'une femme, on dirait que tu te sens pas menacé. Non, mais tu sais, c'est genre... Ouais, c'est sûr. C'est différent. Non, moi, je vais l'amener en cours, moi. Ben non, c'est sûr, c'est pas mieux, mais c'est juste, je sais pas. Salut, Jasmine. Bye, bonne soirée. Mais c'est juste que, tu sais, on dirait que vu que c'est une femme, ça passe, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, après mes shows, là, des fois, il y a des filles saoules, puis ils me pognent la graine. T'es-tu sérieux? Ah oui, ils me pognent la graine ou ils me pognent le cul. Ça, mais si, ça se fait pas. Quand on laisse pas non. Mais tu vois, ma réaction, c'est comme pour vrai. Non. Ouais, mais tu vois, c'est ça fait plusieurs sont-tu fois. Sont-tu belles? Étais-tu grosse? La fille, non, ta queue. OK. C'est vrai que tu t'engages quelqu'un qui a juste une balance. Puis il fait passer les filles avant qu'ils viennent te voir. C'est comme, passe la balance. Non, toi, tu décalises, puis il y a kick d'en face. Non, ou c'est la vieille canne, tu sais, de... La canne de berger, là, comme... Ouais, c'est ça. Tu veux vraiment smooth, puis clac, tu casses. Puis là, en plus, il y a un gars qui est en formation sur la canne, fait que là, t'as le vieux de la vieille qui est comme, là, tu mets ça sur son épaule, puis... Demain, tu casses le cou d'un coup sec. Elle revient plus. C'est-tu de quoi que t'aimes ou qui finit par te gosser? Genre, mettons, l'aspect, mettons, de te faire connaître à des places, genre... Deux où ça arrive tellement pas souvent que ça me dérange vraiment pas. Non. Puis je suis content, tu sais, fait que ça arrive pas assez souvent pour que je puisse devenir une marde. Puis, non, man, moi j'ai tout le temps aimé le monde, tu sais, c'est tout le temps, c'est sûr, ça dépend comment que c'est fait, tu sais, si quelqu'un vient te voir, puis te pogne par le coude, puis... Hey, mon chum, il boit, c'est mon ami. C'est tellement bizarre. C'est fatigant, tu sais. C'est déjà arrivé que quelqu'un te fasse ça. Ben oui, souvent même, parce que... Le monde sont sous. Puis, tu sais, moi, ben, en même temps, tu sais, je les encourage quasiment à faire ça parce que d'où je suis sous, puis je dis tout le temps au monde, puis je les traite comme si c'était mes chums. Fait qu'ils sentent qu'ils ont le droit, mais tu sais, ça va faire comme avec shit, Mike. Tu sais, Mike a arrêté d'aller dans les bars à cause que, tu sais, il a compté, il y a une fille qui l'a pris sur ses épaules, puis là, qu'elle l'a spiné, puis là, il est en tabarnak. Ben, c'est clair. Ben, tu sais, moi, de tout, à un moment donné, ça va arriver, une affaire de même, puis là, je vais faire, moi, je t'ai écœuré. C'est là qu'il y a une grosse fille vraiment musclée qui te lève dans les airs, puis qui te suce dans les airs de même. J'ai l'impression de m'amener. C'est juste... tellement weird. Il y a un médium qui m'a envoyé une vidéo de porn, mais tu sais, il m'a envoyé tant d'essais d'affaires weird. Ah oui, oui, puis c'était genre une grosse madame avec un gars qui devait. C'était pas un nain, là, mais il devait faire genre 4 pieds 9. Tu sais, genre un petit gars. Ouais. Puis genre, elle pognait en bébé, puis elle commençait à le sucer. Ouais! Puis elle le suçait. Ah, c'est-tu que c'était weird? Ah, oh, man, c'est tellement drôle, mais, ça. Mais ce que je voulais dire, c'est... genre, en côtoyant du monde, justement, que tu vois, mettons, ce que ça peut faire, mettons, le succès, genre, par rapport aux yeux du monde, puis à l'approche que les gens peuvent avoir avec toi, genre, c'est-tu de quoi qui te fait peur un peu? Non. Ben non, man, moi je suis content. Chris, j'ai tout le temps voulu ça, moi,
avoir un public, là, ouais, t'sais, fait que moi, le monde m'arrête. C'est sûr, ça dépend comment c'est fait, là, mais ouais, ouais, comme n'importe qui, ouais, mais non, moi, au contraire, je suis tout le temps content, puis j'essaie de leur... Tu sais, quand quelqu'un vient me voir, puis fait comme, hey, je veux pas te déranger, mais j'essaie de les mettre à l'aise, fait comme, ouais, mais non, mon gars, esti, hey, thank you, bro, esti, t'es fin, ah, man. Ouais. Yeah, high five, tabarnak! C'est les mots-clés pour qu'ils se sentent dessus. Non, ouais, ouais, c'est ça, à l'aise, puis faire comprendre aussi, merci, tabarnak. Chris, t'as acheté des billets pour venir à mon show. Ouais. Ça peut le faire vite. Ben ouais, tabarnak, ouais, moi, ouais, c'est clair que je suis content, le choriste, ouais. Ah, c'est clair. Fait que sucez-les de bout, Jeff. Ben oui. Hein? Prenez-les dans vos bras, puis sucez-les. Je m'étais déjà posé la question. En même temps je sais comment ça fonctionne. J'imagine comment ça fonctionne un peu. Genre que plus que tu as de succès, plus que tu en veux, mettons. Tu n'es jamais, ouais, jamais complètement satisfait. Mais en même temps, j'imagine rendu à un point, mettons, genre un Louis-José Hood, ça doit le gosser en Nasty, genre. Il, ouais. Peu importe où ce qui sort, Chris, il doit se faire déranger, genre. Puis ouais, déranger. C'est des fans qui l'aiment, là. Mm-hmm. Mais je sais pas à quel point, en tout cas. Mais il y en a que, tu sais, ça a l'air comme Marc Labrèche, là, lui, ça a l'air que peu importe, il est tout le temps content de voir le monde, ah ouais? Il est tout le temps heureux. Tu sais, fait que, on sait pas, je pense que ça dépend de ta personnalité, des rencontres que tu as faites, puis des, ouais, des expériences que tu as eues, tu sais. Il y en a qui a la mèche courte, il y en a qui a la mèche longue, je sais pas. Là, ouais, que ça dépend, je pense, mais tu aimes le monde en partant, oui. Ben, j'aime mon monde. Ouais. J'aime pas le monde, ouais, mais j'aime mon monde. Puis ça. Puis tabarnak, des fois, je me sens mal. Moi, les fois que ça me fait le plus chier, là, c'est quand que. Genre, j'arrive pour aller mettre du gaz. Puis là, il faut que je rentre en dedans. Puis après, ouais, ça, si j'ai pas de cash sur moi. Puis là. Puis après ça, genre, il faut que je gosse. Il faut que je guesse le plein que je vais faire. Hop, en prépayant. Ah, oui, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Asti, puis le sac, asti, des fois, mais sinon, c'est une carte de crédit, tu peux le mettre direct dedans. Oui, je sais, mais là, genre, la fille, asti, je sais soit qu'elle elle savait pas ça ou ça ouais, marchait pas. Moi, je sais pas comment ça marche, le style d'affaire de carte de crédit, fait que je le fais jamais parce que je suis comme. Ouais, c'est pas compliqué. Non, j'aime mieux pas. Fait que c'est vraiment, c'est pour ça. Je vais mettre 20$. Tu rentres ta carte, il te demande le montant que tu mets, tu fais ton NIP. Puis dans le PDK, si tu as mis over, mettons, de ce qu'il va rentrer dans ton char, ben il rembourse automatiquement sur ta carte de crédit. Yes! Ouais, on va combattre mes peurs une à la fois ce soir. J'ai peur de mettre ma carte. Je pense qu'il y a. Non, mais pour vrai, moi, j'ai plein de petites affaires de même con, là. Des affaires que, ouais, genre, moi, je suis quelqu'un d'anxieux déjà à base. Fait que, genre, des petites affaires que j'ai jamais faites, je sais pas comment ça marche, là. Des fois, il faut que je me botte le cul pour les faire. Puis c'est des affaires ouais, connes, des affaires tellement niaiseuses, là. Comme ça, justement. Ouais, mais moi aussi. Juste comme payer avec sa carte de crédit dans la pompe. Je sais pas comment ça marche. Comme, ah, d'un coup, que, tu sais. Puis. Je pense que tout le monde fait de l'anxiété un peu pareil. Il y a des trucs qui te font peur, ouais, dans la vie, même des astuces d'affaires niaiseuses, mais c'est juste qu'il faut que tu bottes le cul à y faire. Moi, c'est juste parce que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des fraudeurs, qui mettaient genre comme un cap sur l'affaire où ce que tu mets ta, la machine où tu mets ta carte. Okay. Ça lit la carte, fait que là, il peut en faire une copie. Puis des fois, ils sont pas loin où il y a une caméra ou du gouvernement, je sais pas trop comment ils s'y prenaient. Ils pouvaient lire ton code. Il peut cloner ta carte, puis ils utilisent ta carte puis ton compte. Là, fait que moi, c'est pour ça que pour le catcher, il faut que tu touches la membrane, tu sais. Puis là, tu vois que ça s'enlève pas, tu fais « OK, t'es correct. » Bon, ben, on tue des peurs, puis on les fait renaître après. Pour vrai, faut que t'aies une assise stratégie, mon gars, pour être capable d'enlever l'affaire puis mettre une autre affaire sans que le commis s'en rende compte. Je parle à la machine. Ouais, ouais. Tu sais, où est-ce que tu tankes le gaz. Ouais, à la pompe, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Aussi que je n'étais pas prêt. Ça a arrêté dans le tabarnak. Oh ouais. C'est vrai. Je m'en aide. Je sais que genre le club soda, ça te stressait un peu de le fouler à la base. Ouais, good job, man. C'était vraiment fucking bon, man. Merci, man. C'était malade. C'est super venu, bon. Hein? Ben oui, on est venu. Ah, on est nice. Ben oui, on était là, c'était super bon. Tu n'as pas vu, on était au deuxième. Moi, j'étais là, Jair. Gros. Salut. Hey, j'étais sous en tabarnak. Une année, on a applaudi. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois même. Tu as sûrement vu. Non? Hey, j'ai regardé parce que je l'ai filmé le show. J'ai pris genre comme 8 shots. Ouais. En plus, déjà des bières que j'avais bu, que j'avais calé. Ouais, ouais. Je te voyais les poignets, j'étais comme, hey, j'espère que l'adrénaline est encore là. Ah, ouais. Tu vas en avoir besoin. Hey, man, j'étais défoncé dans ta barnaque, là. T'es capable de faire. Mais c'était nice parce que ça donnait un show. Très rock, là, très tabarnak. Ouais. Puis c'était comme... Je pense que j'ai réussi à faire plaisir à tout le monde. T'sais, ceux qui venaient pour le show, autant que ceux qui venaient pour le party. Ouais, clairement.
Fait que ça, c'était. Ouais. D'ailleurs, c'était cool, je suis revenu de l'entraque. Je sais pas si ça te dérange si je dis ce qu'il y avait à l'entraque, c'est ton show. Ah, ben oui, ben ouais, là, une fois que c'est fait, là, c'est ouais, plus, ben je revenais, en tout cas, je revenais d'aller fumer une cigarette dehors, puis je rentre, puis c'est Billy Karaoke qui est en train de faire sa prestation. Ouais. L'affaire, c'est que moi, j'ai jamais vu Billy Karaoke. J'en ai juste entendu parler, mais j'ai jamais vu les vidéos, quoi que ce soit. Fait que je suis comme, c'est qui ce dude-là, ta partenaire? Ouais. Et là, il se crie du sucre d'en face, ça se dit sur Pour Some Sugar on Me, puis whatever. En tout cas, tu sais, je dirais pas tout ce qu'il fait, mais genre, c'est. Chris, que c'était malade. Ah, c'est ça. Ouais. Toutes les premières parties. Tout son aussi d'autres qui tient les paroles. Non, ouais. Mais tu sais, toi, t'es super bon, mais aussi tout le show complet, c'était comme un événement. Il y avait plein d'affaires cool dedans. C'était ça le but, tu sais. Je voulais que le monde fasse comme tabarnak, est-ce les shows que Jerry organise, sacrement. Puis j'ai réussi mon shot parce que honnêtement, j'ai perdu de l'argent avec ce show-là. Les billets n'étaient pas assez chers. Je vais mal calculer mes affaires. En plus, ben, c'est surtout parce que j'ai tapé le show. Ouais. Le show de l'enregistrement, ça m'a coûté 2 500 $ faire ça. Ouais, cool. Mais c'est beaucoup d'argent, mais ça reste crissement pas cher pour le résultat mais après que ça a donné. C'est parce que si tu veux, tu peux le vendre aussi sur Vimeo. Oui, c'est ça. Fait qu'au pire, je vais me rembourser là. Puis de toute manière, je m'en calisse. De l'argent, ben, tu peux en refaire. Même si tu vends 5 $, Chris, je veux dire, c'est le prix d'une location de film. Là, je veux dire. C'est ça, tu sais. Fait que... Mais man, je suis fucking content du résultat. Puis là, c'est comme tabarnak. J'ai décidé de faire une supplémentaire. Mais Chris, comment égaliser ça, topper ça, tu sais? Tabarnak, il y avait Mike Ward, il y avait Alex Roof, Arnaud Soli, Jacob, Billy Karaoke. Mais t'as pas ça, parce que le monde qui vont venir le voir, anyway, c'est du monde qui n'ont probablement pas vu le premier, la première fois. Fait que, mais c'est parce que. Ben, moi, je m'assis pas là-dessus. C'est comme. Il faut que ça aille. Il faut que je trouve quelque chose. Fait, d'où là, j'ai fouillé, puis ça va être calissement malade, parce que va être différent, même. Dans le même style, tu sais, la même vague, là, mais j'ai trouvé des nouveaux. Pis, un hologramme de Tupac. Non. Oh, yeah, baby! Non, ça va être malade, là, tu sais. Ça va être calissement fou, là. Pour vrai, là, le prochain, ça, c'est le 12 mars, supplémentaire au Club Soda. That's it. Puis ça, je refais le même show, mais il va y avoir des différentes premières parties. Puis il va y avoir d'autres affaires en plus que des premières parties. J'encourage moi à aller le voir. On est allé le voir en. En novembre? C'était 22 octobre. Ça. Non, en tout cas, on est allé voir pour vrai. C'était vraiment une assez bonne chose. Moi, j'ai vraiment passé une belle soirée. Tout le monde a on était près 8-10, genre, puis tout le monde a vraiment passé une belle soirée. On a vraiment aimé ça. Fait que j'encourage tout le monde à aller voir. On s'en parlait dans le show. Comme si je closais le show, mais c'est pas ça qui se passe. Mais je pense que c'est ça, j'ai réussi le mon shot là tabarnak puis ça c'est cool parce que tu sais dans le milieu aussi tu sais je l'ai jamais fait pour ça mais remplir le Club Soda c'est quoi qui est pas nécessairement facile là, surtout tu sais moi là, en dehors de la sphère de sous-écoute je suis rien là tu sais genre je suis pas connu pantoute fait que c'est difficile quand même être capable de remplir ça il faut que le monde t'aime il faut que le monde veuille te voir tu as eu la confirmation en tout cas que le monde t'aime parce que Chris était sold out parce que ça valait c'était sold out non c'était sold out puis là pour le 12 mars qui s'en vient j'ai déjà la moitié des billets vendus fait que j'ai au moins tout le parterre qui est rempli. Mais tu sais, j'aimerais ça que ça soit encore sur ça. Ça va être plein. En plein, le Club Soda, man, c'est génial. C'est un esti de. Et puis l'ambiance est malade. Il y a 500 personnes qui se déplacent pour te voir tout. Ouais. Mais je sais que je sais que t'es pas le genre de gars non plus à t'arrêter pour sentir les fleurs. Là. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes en arrière et tout ça, mais je pense que tu peux quand même. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, c'est un bel accomplissement. Ben oui, ben oui, pour vrai. Je dis pas ça. Merci les boys. L'année prochaine, le Centre Bell, gars. Oui. Je veux louer peut-être l'Olympia. J'essaie de. C'est une bonne idée. Parce que l'Olympia, tu peux l'avoir en mode cabaret. Parce qu'au début, avant le Club Soda, c'était l'Olympia que je voulais avoir. Ah oui. Puis finalement, tout le monde veut avoir l'Olympia. Fait les dates n'est pas possible. Mais le Club Soda est quand même cool parce que même si t'es au deuxième. Tu vois bien quand même. Ouais. Tu sais, souvent pour l'humour, mettons, c'était au deuxième, ça devient de la calisse de marre. Mais la manière que la salle est faite, genre, je me sentais quand même investi dans le spectacle. Même si on était au deuxième, genre, la salle est bien faite. Vraiment, man. Puis même si t'es quand même loin en arrière, c'est pas comme trop loin. Fait que t'es capable de bien voir puis pouvoir être dans le show. Là, mais l'Olympia, c'est ça, c'est qu'il y a comme trois modes. T'as comme le mode cabaret qui était genre 430 places. T'as le semi-cabaret qui est genre 700 ou 800.
puis t'as le plein de capacité qui est genre 1200. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, tu sold out le premier qui est à 430. Ben, tu sais, puis je continue à vendre des billets, ben, je peux juste passer au prochain step. Ouais, ouais. Puis après ça, si c'est rempli, ben, on passe à l'autre, à 1200. Mais c'est toi qui te fais peur vu que c'est dans la même ville, genre de. Non, parce que j'écrirai un autre. Ça serait un autre show, okay, tu sais. Fait que là, tout sûr, parce que moi, j'ai. Tu sais, avec le show plus pour longtemps, j'avais déjà vendu en 2000. Ouais, en 2019. Ouais, en 2019, j'avais déjà rempli le plan de match qui était 140 personnes, que j'avais refait après ça au Club Soda qui était genre 500 personnes. Ouais. Fait que déjà là, il y avait genre 640 personnes qui s'avaient déplacées voir ce show-là. C'est fou. Peut-être non, pas les. Fou. T'sais, peut-être qu'il y en a qui c'était les mêmes personnes. Là, t'sais. Ça ne veut pas dire que c'était différent, mais t'sais, il y a déjà au moins ça. Puis j'en ai déjà vendu 250. Fait que, tu sais, je suis pas bon en maths, là, mais fait 640 plus 250 qui donne. Ça fait 910. C'est 930. C'est 640 plus. Ah ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est 690. C'est ça. 990, non? 990. C'est un des deux, là, clairement. J'ai oublié les chiffres de départ. 640 plus 250. Ouais, ça fait 980. Non, 890. Ça fait 1000. Hey, on l'a eu. Yes! Yeah! 890. Yes! Moi, ben, bonne semaine. Puis là, tu vois le monde à derrière la crève font « Non, c'est toujours pas ça, les gars. » Ça a tellement été une finale. L'a toujours pas eu. Tellement une finale de feu improvisée. Yes! Yes! Bonne semaine! C'est quoi? Quoi? Genre, là-dessus, c'est... Aujourd'hui, on calcule. Comment? T'sais? Aujourd'hui, on rush à calculer. 9 plus 3. Ça aide personne. Ça sert à rien. Crise de podcast. C'est ah oui, ils résoutent des problèmes de maths. Ça serait drôle. T'sais. Si j'ai 9 pommes et que j'en donne 6 à Marie-Hélène. Il y en reste. Pas mal certain qu'il en reste. Si un train part de la gare de Chicago. Ah ouais. Ton père, t'es-tu fier de te voir à la TV? Je sais pas, sûrement. Sûrement, ouais. Sûrement, man. Tu sais. Je vous que clairement, on est repensé à la réponse, c'est clairement oui. Ben oui. Ouais. Ouais, ça peut pas être. Non. T'es là, je fais. Mon père, il est mort. Mon père, même pas. Il l'a jamais rendu bien. Il a même eu mon frère, ouais. Ben oui. Parle-nous de ton frère, là. Ben ouais. Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là? Hey, c'était pas King Mo. J'ai écouté ton Géraldine podcast, que tu comptais des anecdotes avec ton frère. Là. Quand j'étais plus jeune. Ouais, c'était, okay, c'était cool. Vraiment bon. Ouais. Hein, c'était vraiment bon. Ah, nice. Ah, j'aime ça quand le monde me parle de celle-là. Là. Moi, ben moi, hey, j'ai tellement d'anecdotes avec mon esti de frère. Là, fait que. Ah, puis mon frère, il aime pas vraiment ça que j'en parle parce que je sais pas, là, il aime sa vie privée, puis ouais, il veut que ça reste demain. Ouais. Moi, on dira pas qu'il vendait. Je suis au hasard en calice, là, mais je sais pas. Je sais pas. Là. Fait que, mais tu sais, la personne que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce. Ou à cause de mon frère. Ouais, ouais, mais là, comme fait, ouais, moi aussi, c'est à cause de ton frère, là, je serais ben, pas. C'est pour ça que vous faites un peu penser à moi et mon frère. T'sais, vous êtes proches, vous faites des mêmes projets, vous êtes souvent ensemble. Puis moi et mon frère, ça a été longtemps ça. Là, t'sais. Ah oui. Jusqu'à temps que je déménage à Montréal, puis là, on se parle bien. Là. Ouais, ouais, mais je pense que c'est à cause d'une famille aussi, je pense que. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait c'est tout le parrain? Ouais! Quand on laisse de chance que ce soit non, la petite réponse. Sur le point, non. Mais en même temps, moi, les enfants, je m'en calisse tellement. Là, ouais, je comprends. D'autre, j'ai jamais pris la petite à mon frère. Ouais. Avant qu'elle ait 2 ans. Ouais, mais je suis comprends. J'ai jamais pris dans mes bras. Puis mon frère et mon père me disaient tout le temps: hey, tu veux-tu apprendre? Je suis comme non. Puis ça arrêtait d'un long silence de même. Puis elle est pas assez belle. Pas assez belle pour le chœur. Oui, oui. Elle est pas assez fourrante. Moi, j'ai dit ah, on vient me voir, mec, t'as 18. Mec, t'as eu un peu de tits. Oh, man. Oh, man. Il fait des petites calls sexuels, c'est la fille de son. Asti, man. Mais il y a une fille qui m'a raconté qu'Éric Lapointe a dit ça à son. Je pense que je l'ai déjà raconté comme déjà trop de fois. Je vais passer à autre chose. Appelle pas, vas-y. Parle de ton frère, sacrément. Sa graine, mettons. Ouais. Dis-moi qu'a arrêté. Ouais, mais c'est le fun. C'est juste que
faut que ta curve un peu. Il y en a qui disent avant-bras, lui, c'est un bras au complet. Ouais, ce qui est le fun avec un frère, c'est que t'as les mêmes référents culturels. T'sais, t'as les mêmes références. T'sais. Fait que ça qui est nice. Puis il y a des tunes, mettons, que t'écoutes, que t'aurais pas le goût d'écouter tout seul, mais avec ton frère, vu que t'écoutais ça quand t'étais jeune, t'es comme, on met-tu cette tune-là? Tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, man. Quand on a fait un peu de ride là, pour aller, je sais pas trop, là, on faisait un road trip, puis il y a des tunes genre du vieux rap de gangster latino là, que mon frère, c'est lui qui écoutait ça, qui avait amené ça. Puis après ça, un peu dans sa gang, ils ont commencé à écouter. Là. Mais okay, tu sais, okay, genre okay. Cypress Hill, Be Real, Psycho Realm, c'est mon frère qui avait amené ça. Fait que là, on écoutait ça, puis moi, j'étais comme tabarnak, c'est bon. Feel gangster. Tu sais, moi, ça me rappelait toutes mes vieux souvenirs, tu sais, du vieux Dr. Dre, puis bon. Chronicle 2001, tu sais, sacrament. C'était pas un bout de mon album de rap préféré. C'est là que tu veux une vieille Cadillac droppée, c'est plus. Ouais. Oh, ouais. Là, tu te rends compte, c'est les ZZ Top dedans. Fuck! C'est ce vieux barbu. Low ride. T'as le goût de chanter, okay. Là. Sors la guette. Non, c'est pas... j'ai appris une toune, on pourrait la montrer. C'est même pas j'ai après les problèmes de maths, voici comment faire. La Star of Fire, Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. Somebody once told me to... Il pense que c'est ses paroles. Comme le dude qui fait ça, là, les vidéos YouTube. Là. T'as vu ça? Ah, c'est écœurant. C'est quoi, il montre qu'on va faire une toune, c'est pas pantoute cette toune-là? Non, faut que je te le montre tantôt. C'est juste un gros... Lex qui se filme avec une webcam. Puis il part des beats de tunes. C'est des vieilles tunes de marde. Puis il chante tout le temps Somebody. Mais genre, il part, mettons, la tune de Evanescence. Evanescence, genre. Ça fucking pas bon, mais il va dire Somebody walk. OK. Il fait toute la chanson-là. Oui, oui. Mais genre, sur plein de sites. OK. Ben, OK, je pensais que tu parlais, c'était. Tu sais, il y en a un qui gros, il a de l'air un peu retardé, là. Puis c'est. Il fait. Si la vie c'était un chat. Puis là, il chante. Il faut juste que je te il chante une vieille toune. Je vais vous montrer une vidéo du dude, là. Ah, ben oui, ben là, direct. Ah, une pub de. Une pub de Bel Air direct. Puis toi, ton jour de l'an? Hey, c'est GSP, tabarnak. C'est nice, man, Mike Ward. Mike Ward, ça va donner une histoire. Ouais. Ok, si. Ouais. Les gens vont pouvoir. Hey, puis il se donne, il reste sérieux. C'est quand même drôle. En plus, il adapte la tonalité de la toune pour que ça... Ouais. Mais genre, c'est strictement pas rapport. Qu'est-ce que ça, là? C'est des bijoux, man. Ça, sérieux, là, c'est des bijoux de la vie, man, qui arrivent nowhere. Demain. Quelqu'un te montre cette vidéo-là. C'est moi. C'est là que tu vois que Internet, c'est fucking... Man. Ce gars-là est tellement drôle. Il doit être drôle en tabarnak, pour vrai. C'est un esti de bon flash encore. Ouais. Honnêtement, il y a bien de la merde sur YouTube, mais en même temps, ça donne une manière de s'exprimer à bien du monde, genre. Puis t'as bien du monde, mettons, que t'aurais clairement jamais entendu parler de ta vie. C'est fucking drôle. Tellement. Ouais, c'est sûr. Puis ça doit influencer aussi... qu'est-ce qui se fait à télé ou whatever, genre indirectement, une manée, tu sais, j'imagine. Ben, là. Tout ou tard, c'est sûr, il va falloir qu'il s'en inspire. Là. Tu vois que ça commence vrai. Déjà, mettons, avec une couple de trucs, là, mettons, genre, tu sais, je sais que, genre, il y a des shows énergie qui mettent en balado-diffusion pour le monde qui veulent downloader après. Ouais. Tu vois qu'ils s'adaptent un petit peu. Tu sais, mettons, les chroniques radio, des fois, ils font des genres d'activités radio. Ouais. Puis. Tu vois, ils ont genre pris ça de je sais pas trop où, là, tu sais, souvent ils ont pris ça d'Internet, se sont inspirés d'un prank ou d'un appareil. Clairement. Mais honnêtement, t'es mieux de Chris d'allumer avant qu'il soit trop tard, là. Ouais, vraiment. Ouais, t'es mieux de te sucer le doigt avant que le facteur passe. Avec le facteur te suce. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on disait? On disait. Excusez, j'ai demandé. OK. Okay. Comment s'est passé ton jour de l'an? C'est du coup? J'imagine que le monde, ça a été... Attends, j'en avais une bonne, là. Ton jour de l'an, t'es-tu pas pire? Non, mais c'est parce que... On va aller ailleurs, OK? Ça te dérange-tu? Ton jour de l'an... Toi, le Pauk!
Pâques l'année passée. T'es-tu croyant? Oh, man. J'ai vu que t'avais une croix, là. Hey, tout le monde m'en parle de ma croix, ouais. Man. Non, mais j'imagine, honnêtement, que ça doit plus être genre... Tu sais, mettons, dans le gangster rap, il y a bien du monde qui ont des croix. Ben oui, c'est ça, mais c'est parce que moi, je l'ai acheté quand j'étais jeune, puis j'ai tout le temps été fier. Puis je la trouve nice, c'est pour ça que j'apporte pareil. Mais tu sais, je suis fuck all croyant. Je suis fuck all croyant. Tu sais, ça revient un peu à, tu sais, ma tante... tu sais, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Ouais, la croix gammée, puis les... Quand t'es une croix gammée, non, mais j'aimerais ça que quelqu'un arrive sur le podcast. C'est pas une croix gammée, là. Mais, écoute, à partir de là... Mais tu sais, ou le flag des sudistes. Ouais. Ben, tu sais, c'est nice, puis mais tu te calisses un peu. Ouais, ben, mais tu peux pas porter ça, parce que c'est comme si tu... Le message derrière, il est tu peux pas encourager ça. Mais écoute, plus jeune, j'ai déjà eu même, tu sais, l'espèce de grosse chaîne de bling-bling, là. Ouais. Genre en argent, là, avec genre une affaire, un pendentif dessus. Là. Un gros S. Ouais. Tu sais, au début des années. Les S de Kiss. Que, au début des années 2000, tous les rappeurs avaient leur chaîne. Tu sais, on pouvait les reconnaître par leur chaîne, dépendamment de quelle, il y avait leur symbole. Puis tout. Moi, j'étais comme, Chris, c'est donc ben nice. On dirait les couleurs de Power Rangers. Tu sais, ils ont toute leur personnalité. J'en veux une, moi, avec. Ça me prend une chaîne. J'ai déjà acheté dans un marché. Ah non, Chris. Je pensais que c'était la fin de ton histoire. Ben non, c'était pas la fin de mon histoire. Je m'excuse, je continue. Ben non, mais ça me tente plus, là. Fait que ton jour de l'an, il était comme. c'était plaisant. Est-ce que je suis tard? Non, mais c'est parce que. J'ai pu porter mon pyjama. Je me disais que ça devait. Comme s'il y avait 8 ans encore. Ma maman m'a laissé me coucher à 11h. Oh, ouais. J'ai pu faire de la coke en pyjama, c'est le fun. J'ai regardé 5 minutes d'un film de cul, ouais. Mais mon père m'a dit d'aller me coucher tout de suite après. Fait que j'ai pas pu me crosser pour une deuxième fois. Des fois, on dirait que j'anticipe. Hey, non, ça calisse tellement, c'est pas grave. Eh ben ouais, c'est Marco, man, il s'en mal pour rien, facilement. Fais-en pas, là. Je veux pas fâcher le monde, non. Ouais. Je veux être gentil. Je t'en veux. Mais ouais, je vais dire pas à soir, si je suis mieux de l'enlever. Hey, ta gueule. J'arrête. OK, Jer, tu n'es plus sous mon emprise. C'est quoi, c'est dans... C'est dans le Dinner for Schmuck, là. La version américaine. C'est le dîner de con, la version américaine. Ouais. Galifianakis qui contrôlait l'esprit des gens, puis je te libère. Ils ont sorti ça il n'y a pas tant longtemps. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même 5 ans. Ouais, c'est ça. Mais dépassé 2010. Comparé à l'autre, style. Ouais. Mais l'autre était meilleur. Moi, j'ai vraiment. Ouais, l'autre était bon. Ouais, le français était bon. Mais il y a moins d'action, mais il était bon, par exemple. Ouais, mais en même temps, moi, c'est ça que j'aimais, justement. C'était comme. C'était quasiment de l'humour sous-entendu, finalement. C'était comme une situation comédie plus que des jokes, Okay. Ouais, ouais. Puis dans la version américaine, ça me gossait un peu le fait que ça devenait genre... Ben, c'est américain, là. C'est ça. Dans le 1, t'as le gars qui fait des maquettes. Dans la version américaine, il fait des genres... Il empaille des souris, puis il fait des scènes avec. Ouais. Il empaille des souris, puis il fait comme une espèce de... Comment t'appelles? Des maquettes, mais avec des souris. Ouais, on dirait que c'est comme s'il faisait une toile, genre. Mais là, c'est juste des souris dans un environnement avec des sous, genre. C'est comme... Oh, lui, il fait des maquettes. Puis il fait porter des affaires. Ouais. Il lui met du linge. Il colle dessus, puis tout. Ah, man, c'est weird. Il fait des petits jeans. Ouais. Débardeur. C'est fucking ça. Ouais. Écoute, là, avec sa machine à coudre, si essayer de faire des gens coudre des jeans. C'est la version américaine d'un nerd qui fait des maquettes. Sérieux, c'est exactement ça que c'est. Là. Il tue des souris, il fait des. Puis dans le film, justement, t'as Zach Galifianakis qui contrôle l'esprit des gens ou qui pense qu'il fait ça. C'est comme. Le premier se peut, puis c'est drôle à cause de ça. La version américaine, je trouve, c'est juste absurde. Mais j'ai aimé ça quand même. Ouais. Mais. Tu l'écoutes une fois. Je pense que j'aurais aimé mieux ça si ça ne serait pas appelé le dîner de con. Genre. Si ça aurait été un autre. Okay. S'il n'avait pas vendu comme étant un reboot. Exact. Pour la plupart des gens, c'était le premier dîner de con. Là. Pour les Américains, mettons, ils n'ont pas vu la version française. Si tu parles pas français, tu ne vas pas l'écouter avec des sous-titres. Je posais la question pour le jour de l'an. Je sais que c'est une question weird, là, mais c'est parce que je sais que ton branding est un peu genre God Party. Fait que j'imagine que ça peut intéresser le monde, mettons. Non, c'est une bonne question pour vrai. Mais c'est. Tu as entendu, Phil? C'est une bonne question. Man, c'est sûr que le chef est poli. OK. Garde.
Non, c'était de la calisse de marde. Mais j'étais malade. Fait que. Ouais, man, j'ai pensé avoir réussi à tuer un genre de microbe. J'avais un virus. Puis j'avais des antibiotiques à prendre. Puis le médecin m'avait dit il faut que tu les pognes au complet. Si tu les pognes pas au complet, ça va, il va revenir, tu sais. Puis là, j'avais skippé une journée. Puis elle a fait je suis correct. Là, c'est encore, il connaît rien. Puis je les ai pas tout pris. Mais tabarnak, effectivement, une semaine après, c'est revenu. Mais 10 fois pire, tu sais. Fait que. D'autres, j'étais malade, man. Chez nous, esti, à rien coller. Au moins, t'as pas fait genre, il connaît rien, puis t'es pas pris tout d'un coup avec de la vodka. Ah, ouais, c'est ça. Mais des antibiotiques. C'est rare, c'est ça, la... Des antibiotiques, que si tu pognes avec de l'alcool, ben, ça fait juste enlever l'effet que ça va. Le bien-être de l'effet que ça va. Mais t'as bien les médicaments qui font ça aussi. J'avais un gars avec qui je traînais un peu, genre, qui était. Pharmacien? J'allais dire psychopathe, c'est pas ça, c'est schizophrène. Pharmacien. C'est un sociopathe. T'as-tu vu, il y a un tatou de Donkey Kong, OK? Il n'y a pas d'amis pharmaciens. Je m'excuse, là. Ouais, le pharmacien. Ouais. Le style bon jeu de mots. En tout cas. Ben, je l'ai dit ça. Mais non, c'est vrai. Je l'ai vu en entrevue, en plus, j'aime quand même, mais je trouve très long. Il s'en va nulle part avec ça, t'as pas. Il veut juste être méchant pour toute la merde, son nom. Hey, lui, funny encore lisse. Prochaine question. Comment t'as aimé ton Halloween? Non, mais tu sais, t'es un gars de party. Peut-être t'aimes ça les déguisements aussi. Ouais. T'aimes-tu ça de déguiser en femme? Oh, t'as-tu mis un petit déguisement allé, genre Jason avec une graine dans les mains? Ouais, t'as ta chemise en jeans, là. Il a fondu ça en cuir. T'as-tu le marteau piqueur avec la face de cuir? Reste-tu ça? Dans le quartier. Je me rappelle pas ce que je voulais. Ah, tabarnak. Mais j'ai des enfants qui voient ça par arriver. Le monsieur avec le gros pénis qui. Mais non, c'est ça, mon Halloween. Mon jour de l'an, c'était bien tranquille. Ouais. Mais honnêtement, j'étais content parce que enfin on me collissait patience. Oui, parce que tu sais, il y a tout le temps... Tu sais, tout le temps quelqu'un... Puis tu sais, je m'en plains pas. Je suis content d'avoir de la job et du monde qui s'intéresse à mes affaires. Mais tout le temps, quelqu'un qui, une fois, qui me demande « Hey, tu veux-tu jouer à ma soirée? Hey, tu veux... Hey, tu veux-tu sur mon podcast? Hey, tu veux-tu telle affaire? Hey, tu veux-tu telle affaire? » Puis, tu sais, moi, je me sens bien redevable parce que, Chris, si j'ai réussi à monter de même, ben c'est parce qu'il y en a qui m'ont offert une chance, tu sais. Pis... Genre nous. Fait que, ouais, ben, exactement. Exactement, tu sais. Fait que, faut savoir redonner, tu sais. Fait que. C'est ça que t'as propulsé les podcasts en général, tu sais. Mais, genre, je veux dire, tu l'as pas volé non plus, là, Chris. C'est ton non, podcast, non, c'est sûr, mais, tu sais, en même temps, il faut savoir redonner aussi. Je comprends. Tu sais, le monde que t'aimes, le monde qui sont cool avec toi, ben, tu sais, il faut savoir redonner. Ah, ouais, c'est clair. Fait que là, j'étais content, vu que j'étais malade, le monde me collissait patience. Il y a une semaine, personne. Il est venu me faire chier, man. Il n'y avait pas mon père pour faire comme hey, tu veux-tu descendre parce que là, il y a ma tante qui va être là, puis tu sais qu'à terme, puis il faut que tu fais. Oh, puis là, je fais comme tabarnak, mais ça va, ok, moi y aller. T'sais. Mon père, man, m'a beaucoup aidé. Oui, c'est ton père. Mais tu sais, fait que là, le monde me collissait à la paix pendant une semaine de temps. Peu importe qui m'appelait, qui me demandait, je suis malade, collisse-moi la paix. Je suis malade, tabarnak! Fait que j'ai rien fait pendant une semaine autre que. Réfléchir, ma tante, à 2020, qu'est-ce que je veux faire, mon podcast, si je veux encore le faire. Puis j'avais à peine, j'avais pas à penser à rien. Fait que ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. T'as-tu vu des petites filles? Non, parce que j'étais malade. Non, mais la fille à ton frère, je veux dire. Ah, yeah. Ah, non. OK, non, excusez. Je pensais que ça allait être drôle. Non, même Phil m'a abandonné. Mais moi, j'ai... Oh, oui. Normalement, je suis genre, comme, je vais le protéger, calé. Je suis comme, ah, mais non. Si, m'a faire tu vas être seul, il y a la fin. tu vas être seul. Non, parce que je comprends que c'est une blague. C'est pas parce qu'il y a une esti de chemise de pastel, ta barbe. Yeah. C'est le même que j'attire les... C'est le même que j'attire les petits cocos. Les cocos-cocottes. Oh, je fais juste comme... Avec moi, on ils appellent va les... dans la toile. Ils appellent ces pompinots. Ouais, les pompinots. Parce qu'ils aiment les pompés. Ah, ouais. Ah non, c'est vraiment... Ils appellent mes belles binettes. Oh, God, c'est dégueulasse comme conversation. Oui, mes petits songes, comme dans 19-2.
Asti, je voulais dire. Tabarnak, je suis pas. C'est pas grave. Ben, ça va. Nope. Mais ben, gros, prends le temps. Regarde, c'est pas grave. On dirait, je suis pas habitué de pas être préparé. Fait que là, vu que c'est la première fois, on dirait, je tombe juste en mode. Hey, oh, tabarnak, j'aurais dû me préparer. Non, non, mais. Moi, je suis sûr que le monde écoute pour toi qui. Non, c'est clair. Qui est so-so, prêt, puis qui capote après. C'est pas un lien. On dirait que c'est la première fois que je suis comme ça. Mais si tu veux. C'est correct. Moi, le début d'intro que tu fais, là, c'est là que je trouve ça plus drôle. Mais si tu veux, regarde, ça fait 1h40. On s'en va voir le UFC tantôt. Est-ce que vous avez des prédictions pour, mettons, pour rapper ça? Là, est-ce que vous avez des prédictions pour non, ce soir, mettons? Non, j'en ai pas. Bonne semaine, tout le monde. OK, all right. T'as-tu des trucs à plugger? T'as-tu des prédictions pour le fight? Je pense que ça va être moi tout. Je pense que ça va être Cowboy. Ah ouais, tu penses que Cowboy va gagner? Ouais, ben en même temps, j'espère qu'il va gagner. Ça serait nice. Ouais, ben c'est un peu de ça aussi. C'est Cowboy Cerrone contre Conor McGregor. Tu sais, Conor McGregor, je pense, même s'il perd, il peut revenir. Là. L'autre, ça serait nice que ça soit comme sa soirée. Ben c'est parce que j'ai l'impression que ça risque. Ouais. J'ai vraiment le feeling qu'il va comme dropper ses gants après le combat puis juste dire, gars, je prends ma retraite. Mm-hmm. Ben, honnêtement, ça serait tellement le moment pour le faire parce que le gars, je pense qu'il y a le plus de combats. C'est ça, il y a le plus de victoires. Ouais. Puis il est tellement actif, il doit se battre 3-4 fois par année, genre. C'est quand même fou, sacrément. Hein. Ouais, ouais. Le gars, ça a l'air qu'il analyse même pas ses fights. Je sais pas à quel point ça a changé, là, mais ça a l'air que dans le temps, il regardait pas son combattant. T'es comme, je m'en calais. Ah, mais ça paraissait. Des fois, ça paraissait. Ouais. Des fois, ça paraissait. Contre Nate Diaz, mettons, puis des gars comme ça. Tu sais, quand il était plus jeune, mettons, là. Des fois, que ça paraissait en tabarnak. C'est parce qu'il a-tu perdu contre Nate Diaz? Ouais, plus jeune, par exemple. Il était vraiment plus jeune. Mais c'est des fêtes de même qu'il aurait pu prendre. Puis que c'était comme, voyons, calice, il se faisait bloquer toutes ses actions tout le temps. Parce que, en tout cas. Pas parce que l'autre, il avait fait ses devoirs. Non, oui, il avait fait ses devoirs comme tout le monde devrait faire dans l'UFC. C'est une élite. Mais c'est un cowboy. Fait qu'on s'en calait, c'est un peu. Je comprends le principe. Il va quand même faire du parachute après le coup. Je l'adore en passant. Le gars, il a son ranch, genre. Le gars, il chasse, il fait n'importe quoi. C'est un wild motherfucker. Tu sais, genre le gars qui fait des backflips en motocross, genre. Ouais. Genre le gars, il. Ouais, non. C'est genre le gars que j'imagine, genre, jumper en bas d'un building, genre avec juste un jumpsuit, là. Tu sais, les genres de trucs. Ah ouais, genre comme un flying man. Ouais, c'est juste. Le gars, il est accro à la vie. Moi, là, je le vois se calisser dans le feu tout nu. Ouais. C'est assez extrême, cet homme-là. Burning Man. Ouais. Y a-tu d'autres combats qui vont être cool à soir? Les combats de ce soir, honnêtement, la carte est un petit peu. Ouais, ils sont assis sur le main event un peu. Ouais. Mais honnêtement, les combats de sous-carte et tout ça, des fois, là, on n'a pas tendance à les regarder. Puis il y a des cartes que j'ai vues que la main card t'a chié, puis tout le early prelim était sacoche. Mm-hmm. Les gars, man, ça tu sais, parce que les gars ont pas de reconnaissance à ce level-là. Il y a personne qui regarde, il y a personne qui. C'est comme Eminem quand il était dans un casse-croûte, tabarnak, ces gars-là. Tu sais, genre, tout le monde, personne gives a shit. Fait qu'ils sont tous là, ils se battent comme des esti de bombes, ils sont comme, all right, esti, faut que. Tu sais. Ça a l'air qu'Eminem, quand il était dans son casse-croûte, justement, il flippait burger en même temps de rapper. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais, il rappait tout le temps. Ouais, tout le temps. Ça devait tellement être lourd pour tout le monde. Tout le temps, ben, au début, ouais, mais tu sais, s'il est bon, c'est malade. Oui, oui, oui. Tu sais, nous autres, au Gaga Patate à Gatineau, là, le propriétaire, Luc, il retient les commandes de tout le monde. Ah oui? Peu importe, il empoigne genre 4 en même temps, là. Puis il va peu importe complexe ou pas complexe, il va tout l'avoir au détail près. Il est-tu autiste, mettons? Non, ben, peut-être qu'il tripe trop ses poutines. Il est vraiment impressionnant quand même. Tu sais, c'est impressionnant parce que là, le monde y va. Puis tu sais, des fois, il y en a qui essayent de le trick. Là, ah ouais, de, genre, il demande de voir piquer un peu. Ben, ouais, c'est ça. Oh, wow. Mais il y a tout. Ah ouais? Ouais, tout au complet, man. Puis il se trompe, jamais. Ce serait malade. Gaga patate, tabarnak. Ce serait malade, le dude qui, genre, il dit, moi, pas besoin de papier, je retiens tout. À toutes les fois, il fait des erreurs. il est comme à toutes les fois, non, c'est pas besoin de ça. Ouais, puis il fait juste confronter, genre, ses clients en disant, non, c'est pas moi le problème, c'est toi. C'est pas ça que t'as commandé. Non, là. C'est vraiment pas. Check, j'ai le papier. Dans mon cerveau, c'est pas ça qui est marqué, là. Ah ouais. Ben, c'est pas ça que je voulais. Ben, c'est ça que tu vas avoir parce que c'est ça que t'as pris.
Ben là, tu me demandais les combats sur la main card. Il y en a que je connais même pas. Mmh. Ouais. Ouais. Dessus. Ben, mais honnêtement, ce sont là, il y a une raison. T'as Holly Holm qui bat, celle qui ben, la première qui a pété Ronda Rousey. Ouais. Ouais. Elle va se battre contre Raquel Pennington, je pense. Moi, man, les combats de femmes, c'est eux autres mes préférés. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, ouais. Tu sais, parce qu'on dirait que. Ils se battent pour leur sexe. Là. Ouais. Tu sais, fait que là, genre, vu que là, ça commence encore plus en Anawa, ils veulent montrer, là, que, hey, c'est on mérite notre place. Fait que, tu sais. Honnêtement, les moves les plus sales que j'ai vus, c'était quasiment tout le temps. Genre, mettons, j'ai vu une fille, genre, je m'en plus, c'est qui elle se battait contre. Hey, Sidebirds avec Nunes, là. Tabarnak, c'est je pense, c'est. Il y a genre ce combat-là, puis Romero avec un autre, là, comment il s'appelle? Romero. Oh oui, il s'était battu contre Carlis, c'est quoi son nom? Le gars de Muay Thai, là, le gars ouais. Qui il a envoyé plein de kicks au corps. Ouais, ouais, ben, en tout cas, c'était du strike. Pablo. Ouais, moi non plus, je me souviens plus. Mais en tout cas, tabarnak, c'était un esti de combat de malade. Là. Mais et Romero, c'est tu fais péter. C'était malade. Ah, oh, ben, en tout cas, je trouvais pas qu'il avait mangé tant de volets. Ah ouais? Je trouvais que c'était pas mal égal. Pis, C'est Paulo Costa, le gars. Costa, c'est de ça. Ouais, ouais. Ouais. Paulo Costa contre qui? Bon, contre Romero. Hey, c'était un esti de combat, ça. Ah oh, oui, je l'ai vu. Même oui, Young Vardner oui, l'a mis vu. Dans ses combats préférés de l'année. Ouais, ouais. Ah, OK. C'était un fight le fun à regarder. Ouais, c'était un fight le fun à regarder. Hey, mais... Sidebird, là, puis avec Nunes, là. En tout cas, j'étais malade. Ça fait partie. Moi, j'étais content. En plus, on avait un podcast de MMA avec Deauville, puis on avait un pool, genre. Puis à la fin, genre, on accumulait les points. Puis là, finalement, c'est pas arrivé parce que les podcasts, ils ont arrêté. Là, mais il fallait qu'il y avait comme une conséquence pour le perdant. Puis genre, c'était comme vraiment un trick move de prendre elle. Puis là, j'ai pris par KO TKO, genre. Mais, mais tu sais, genre, honnêtement, sur papier, ça aurait pas dû. Puis même moi, j'y allais un peu contre cœur. Mais... genre, vu que je l'aimais. Ouais. Mais j'étais tellement content qu'elle a gagné mon gars. Ça m'a genre fait plein de points. Ah ouais, ça arrivait une fois de temps en temps qu'on était drette dans le mille, là, mais je veux dire, c'est rare. Même ça arrive souvent quand j'écoute des gardes de MMA que je fais des mises sur des matchs, parce que pour vrai, t'es calissement plus dedans. Tu sais, quand t'as comme un petit quelque chose à gagner, un petit quelque chose à perdre, genre, tu sais, je mets pas des montants d'incroyables, là. Ouais. Mais quand t'as un petit quelque chose à perdre ou à gagner pendant que t'écoutes la carte, là, ça rajoute de quoi, là, genre, t'es comme, c'est vrai. Vas-y, vas-y, tu sais. Mais c'est difficile de gagner là-dedans parce qu'il y a tellement de paramètres différents. Là. Il l'amène-tu au sol? Est-ce qu'il l'amène pas au sol? Est-ce qu'il va le taguer en début de combat? Il va-tu se casser à la main? Il va-tu... Tu sais, il y a tellement d'affaires. Parce qu'il y a plus de variantes qu'à la boxe. Moi, je suis abonné au Patreon de Olivier Aubin. Merci. Le Canadian Gangster Podcast. Ouais, as-tu fait son pool? Ben, je sais pas comment ça fonctionne. Ah, puis il me l'a déjà expliqué, puis il me l'a réexpliqué, puis je sais toujours... J'ai pas compris. Puis je fais paniquer, puis je fais « Ah! » Puis j'ai rien compris. Mais si tu veux, je peux t'aider avec les prédictions, mettons. Ouais. Mais tu sais, je connais pas toutes les fighters. Je sais juste pas comment ça fonctionne. Ouais. Mais moi, j'aimerais vraiment... Parce que moi, je trippe UFC, ben tu sais. Je suis pas un gros un fan malade comme vous autres, là, tu sais. Mais je suis comme... Je suis ça. Ouais, mais t'as du plaisir quand tu l'écoutes. Ouais, je les écoute toutes, puis quand j'en manque un, ça me fait un peu chier. C'est juste dans le... Tu sais, dans... On s'en crise dans le fond quelqu'un qui connaît tous les noms puis tout. Non, non. Tu sais, juste quelqu'un qui aime ça regarder ça faire comme tabarnak, tu sais, c'est nice qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis c'est juste ça, on s'en fout. Le reste, on s'en fout bien raide. Juste, je retiens les informations comme un notice sur des affaires qu'on se calisse. Moi, c'est genre des... l'année de tel film est sorti. Moi, c'est les fighters. Ouais. Moi, c'est weird, là, des fighters, ce que je retiens le plus, c'est la grandeur poids puis le reach. Je sais pas pourquoi. Ces chiffres-là, ça me reste dans la tête. Ah ouais. Je suis pas extrêmement bon. Genre, je suis comme pas flawless, mais je vais être crissement proche tout le temps. Un peu comme Bernatchez avec le box-office. Ouais, c'est tellement vrai. C'est parce qu'il est tout le temps quand même pas loin. Précis en crisp. Tu te rappelles du montant que le film a généré quand Oui, Steven, ça c'est. Un film de 89. Ah ouais, ça c'était 14 millions que ça a coûté. Mais tu comme voyons encore ça. Tu vois, moi, les années que des films sont sortis, là, genre la satisfaction que ça m'apporte, là, mettons, si je dis je guesse la bonne année. Mais pour vrai, je suis quasiment autant content que si une fille me dit « Viens-t'en dans les toilettes, je vais te sucer. » Ah ouais. Pour vrai, je suis tellement... Genre, on s'en calisse au bout du compte. Tu vois, juste, genre, c'est le bout de tout ce que Jasmine rentre. Elle fait « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? » Ben, on parlait de toi. Ouais, c'est ça! Ah non. Je suis un gars fidèle. Ouais.
Mais ouais. Non, j'ai hâte de voir la card de ce soir. Sérieusement, ça va être le fun. On se commande-tu de la pizza? On peut se commander de la pizza? Fromage? Fromage. Fromage! C'est correct pour toi? De la pizza? Ben oui. Pourquoi on parle de ça ici? Ouais, je me suis dit, ah, on va parler de notre menu. Ah bon, je voulais faire de la bouffe pour tout le monde. Mais ouais, genre, c'est ça. J'ai un peu. T'es choqué. Je l'ai un peu échappé hier. Puis honnêtement, je pense que d'aller à l'épicerie me fait plus chier que de faire ah, la bouffe. Ouais. Là. Oh, ouais. Mais... C'est drôle parce que je me sens plus mal d'avoir viré une brosse hier. Ben non, ben non, moi. Ben tu sais, en tant qu'alcoolique, faut tout se supporter. Ah oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Je me suis endormi, j'allais me coucher, j'espère qu'elle a dit, tu es endormi en te crossant, il y a des Kleenex, tu le disant, je fais pas... ben, peut-être. On dirait un petit chien qui a pu s'entendre. C'est quoi ça, les Kleenex? T'as encore crossé? Ben, c'est parce que, tu sais, quand il y en a deux, c'est rare, tu te mouches de boule. Puis là, tu sais, plus le esti, tu regardes, c'est sur quoi tu te crossais? C'est sur du Martin Turge. Oh, wow. Oh, Martin le Cabotin. Oh! C'est ça, Martin le Cabotin. Martin le Cabotin. Allez voir ça, esti. Allez voir ça, Martin Turge. Martin le Cabotin. Esti de bonne personne. Esti de grosse marde de Corée. Ah ouais. Allez voir ça. Esti, il est pas opportuniste. Il donne des crises de carte cadeau de 10$ à une mère monoparentale qui est pas si pauvre que ça. De chez Subway. Pour qu'elle raconte son histoire épouvantable. Puis chaque carte est comme genre... Et une carte de ça. Et c'est pas tout. Il y a aussi une carte de ça. Puis genre, Chris, t'as des 10$. Ouais. C'est tellement cheap. Là. Ouais, au bout du compte. Genre, là. Mais c'est pas que c'est cheap, mais c'est juste... Ça se sent. Ah ouais, là, c'est ça, genre une affaire de Chantal Lacroix. À la fucking bête. Chris, pour vrai, là, c'est sur le bord de. Okay. Genre, il finit, puis qu'est-ce de qu'on dit? Est-ce que vous avez déjà essayé de guesser dans cette vidéo-là? Ouais. Est-ce que vous avez. Avez-vous déjà essayé de guesser dans cette vidéo-là combien de bouteilles de Purell il a dû prendre dans sa journée, genre, pour se laver les mains après avoir parlé aux madames monoparentales? Hey, alors, juste comme. Bah, c'est-tu que c'est dégueulasse? T'as-tu vu ses dents? Moi, c'est sûr, je me lave les mains. Regarde, on va faire pour 10$ de sandwich, on va les donner aux pauvres. Ah ouais. Ça, c'est une vidéo. Puis pendant la vidéo, on va plugger mon chum. Hey, lui, il est bon. Là, il filme juste la fiche de Laurent Paquet. C'est quoi, tu sais, ouais, c'est drôle. On écoutait ça quand t'es défoncé un peu. Puis genre. C'est pas ça. Ouais, exact. Genre, le gars, il y avait genre 60 vidéos. Puis j'étais comme genre, Chris, man, on a 5 fois plus de views avec notre site de podcast de fuck off. Puis genre, puis nous autres, tu sais, je veux dire, on dit ce qu'on a à dire. Puis lui, clairement, il est fake. Il essaye justement d'avoir la sympathie des gens. Puis il y a 60 personnes qui ont écouté. Clairement là-dessus, il y a sa famille. Oui, c'est sûr que sa famille, c'est sûr. De toute façon, nous autres, on a la famille à Matt. Fait que... Ben oui, on a pas dire grand-chose là-dessus, là, mais en tout cas. Salut Karen. Salut Karen, merci pour le 20$ de gaz. C'est vrai, ça. Ben, toujours finir fort. Fait que... Toujours finir fort. Faut pas oublier tout le monde. Smile. Smile, oui! Smile! Ah oui! C'est ça. Smize. You gotta smile with your eyes. Non, genre, il disait pas bien, là, genre, smiles. Puis, pas ça. Non, c'est genre une madame de truc de beauté qui disait smize. You gotta smile with your eyes. You gotta smize. Je vois ça très. Je sais pas. On ne veut plus où j'ai pogné ça. Je pense que c'est ma blonde qui m'a dit. T'as-tu commencé le crack? Non. Ouais, à soir, non, mais à soir, ça peut changer par exemple. Oh, balaye! À soir, on la fume. À soir, on la fume. On fait une Lindsay Lohan de. Oh, la fume! Oh, la fume! Oh, la fume! Ok. T'as dit des trucs à plugger, déjà? Le 12 mars, Club Soda. Les billets sont en vente au jerallin.com. Ça va être un asti de show de malade. Ah, ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas. Je me demandais, ça coûte-tu bien cher avoir un nom de domaine? Genre, ça coûte-tu bien cher un 3,5 de pouces? J'en ai acheté un hier, mais je sais pas si le prix... Un 8 balls, c'est-tu bien cher, man? Là, c'est drôle parce que tous ceux qui ont déjà fait de la poudre vont faire comme... Yeah, man, 3,5, on le split en gang. 3,5, voilà! Belle soirée. Donne-moi 2 bagues de plus. Ça coûte bien cher, quoi? Encore? Avoir ton nom de domaine, ça a-tu monté, mettons? Ouais. Man. Avant, ça avait coûté genre comme 20$ la première shot. Pour une année? Puis là, il fallait le refaire. Puis là, c'était la première fois, ça me coûtait genre comme 100. Ah ouais? 125. 125 au lieu de 20. Plus de clics, genre, ils montent les...
Ouais, je pense que c'est ça. Ah. C'est ça, ouais. Oh, ouais. Plus t'as de visite, plus Ouais, mais en même temps, guess, il faut qu'ils fassent leur argent. Ouais, je comprends. Ah, ouais. Là, comprends. Il y avait Matt qui achetait des nombres de même de même, puis il disait peut-être que ça va valoir de quoi. Puis il y en avait acheté un, ça s'appelait YOLO Cost. Ah ouais? YOLO Cost, mais avec YOLO, je vois ça. YOLO Cost? YOLO Cost, ouais. Pour Holocauste? Ouais, c'est ça. Okay. C'est comme Holocauste et YOLO en même temps. Okay. Ce qui est assez contradictoire là, en soi. Là, parce que, mais il y en a qui font ça, c'est leur job de. Tu sais, aussitôt que ma tante oublie de renouveler leur nom de domaine, ils l'achètent tout de suite, puis là, ils demandent genre comme 100 000 piastres. Ben, c'est clair. Si en plus, c'est genre, tu sais, comme toi, mettons. Mettons que tu aurais genre 3 millions d'abonnés à ce type, genre clairement, tu vas le payer le 100 000 parce que tu as besoin de ton site. C'est ça. Ils mettent juste des affaires de nazis, sinon ils font des menaces. Ah ouais, ils mettent... C'est des messieurs nazis qui fissent des filles genre avec des robes en sac de patate. Ah ouais, avec un marteau piqueur de pénis. Ah ouais. C'est une vidéo des skinheads qui battent le chinois dans Rumper Stumper. Oh wow. Oh wow. Les avions drop juste des petits gros dildo sur le monde. Ouais. Ça c'est juste des bombes avec un N dessus. Des M-bombs. Ça va être ça. Non, on finit là parce que ça marche pas. Là, Chris, mais moi j'ai faim. Ah ouais. Ben, bonne semaine tout le monde. Yes sir, tabarnak. Bonne année. Bonne année.